buenas tardes a todos ustedes. Bonjour à tous. Antes de iniciar, unas indicaciones para la traducción que tendremos simultánea. Para todos los que están ya conectados, tendremos un intérprete francés-español en directo. Podrán verlo en el botón que está abajo de su menú en forma de globo, en donde podrán dar clic y seleccionar francés o español en la modalidad que ustedes desean. Si vous êtes français, vous n'avez pas encore entendu notre indication, on aura tout en bas l'icône pour l'interprète qui va faire français-espagnol. On aura des sessions en français et en espagnol et on va démarrer. Déjà. Muy buenas tardes a todos. Déjenme compartir pantalla para iniciar nuestra sesión. Excelente. Pues a nombre del gobierno de Quebec, a través del Ministerio de la Economía y la Innovación, de la Delegación de Quebec en México, de Hacking Health y de Pragmatech, queremos dar la bienvenida a esta sesión. Estamos muy contentos de tener una sesión con representantes principales, con los representantes principales del ecosistema de salud en Quebec. Y vamos a tener una hora y media muy interesante, en donde vamos a estar conociendo información relevante sobre el sector, sobre la política pública en Quebec alrededor de este tema. Este será nuestro orden del día. Tenemos 5 bloques previstos para la sesión de hoy. Unas palabras de bienvenida por parte de los organizadores del evento. Un segundo bloque en donde hablaremos de los ecosistemas de la tecnología en salud, principalmente en Quebec, pero también para nuestros asistentes francófonos de Quebec, hablar sobre el ecosistema de salud de México. En un tercer bloque tendremos la presentación de 5 organizaciones que forman parte del ecosistema de salud en Quebec, que van a presentarnos sus principales objetivos, actividades que están desarrollando en este sector. Posteriormente, platicaremos sobre un caso específico de emprendimiento de origen latinoamericano que se encuentra en colaboración a nivel de investigación y de emprendimiento con la región de Quebec. Y bueno, algunos anuncios finales. Quiero darle la palabra a mi colega Adriana Vallejo de Hacking Health Monterrey para que pueda darnos igual unas palabras de bienvenida. Adelante, Adriana. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este Meet and Greet. La verdad es que nos encanta que nos acompañen este mes nuevamente aquí. Y es un honor tener a todo el equipo de Quebec con quien vamos a estar platicando, vamos a estar conociendo todas las oportunidades que hay para poder hacer esta vinculación hacia la provincia de Quebec en Canadá. Creo que les va a ser de mucha utilidad, no nada más para los próximos meses, sino realmente para los siguientes años. Van a tener muchísimas oportunidades, vamos a ver casos muy claros de cómo podemos ir hacia allá, cómo podemos trabajar con ellos. Y bueno, quédense aquí y vamos a estar viendo cosas muy interesantes. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Adriana. Como siempre, Hacking Health, aliados con Pragmatech en la organización de este evento. Y ahora también, para este evento en particular, pues con el apoyo del gobierno de Quebec, por lo que damos también la bienvenida a Madame Stephanie Allard Gómez, quien es delegada general de Quebec en México. Stephanie, muchas gracias por todo el apoyo a través de tu delegación y del equipo. Y por favor, estamos muy contentos de tener unas palabras tuyas para este evento. Bueno, muchas gracias, señor Sánchez. Bueno, unas cortas palabras. Entonces, muy buenas tardes a todos y a todas. Bonjour a toutes y a tous. Y bueno, es un gran gusto de poder participar en este webinario de muy alto nivel en temas de innovación y de investigación. Y bueno, de antemano quisiera realmente agradecerle al señor Sánchez, entonces al director general de Pragmatech y a la representante de Hacking Health México, Adriana Vallejo, por esta invitación a presentar el ecosistema quebequense
de las tecnologías médicas a los investigadores y emprendedores mexicanos de este ramo. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue chaleureusement aux représentants et aux représentantes du Québec qui sont avec nous aujourd'hui et vous remercier sincèrement d'avoir accepté cette invitation en si grand nombre et avec tellement d'enthousiasme. Et je salue également l'engagement du ministère de l'Économie et de l'Innovation et de l'innovateur en chef du Québec, M. Luc Sirois, dans l'organisation de cette activité. Et je suis persuadée que vos interventions d'aujourd'hui vont, vont vraiment apporter un témoignage du leadership québécois en matière de recherche et d'innovation pour les créneaux des sciences de la vie et des technologies et des dispositifs médicaux et qu'à terme, ça va favoriser des, de nouvelles collaborations avec le Mexique qui est un partenaire international qui est prioritaire pour le Québec à plusieurs niveaux. Écoutez, pour ceux qui ne nous connaissent pas, para los que no nos conocen muy bien, la Delegación General de Québec en México se inauguró en el 1980 y hoy es la tercera más importante de una red de 33 representaciones del gobierno de Québec en 18 países. Y a lo largo de los años, nos complace, entre otros, constatar la, la solidez y la calidad de las colaboraciones científicas que existen en, de, desde entonces, que son apoyadas por instrumentos de cooperación como los grupos de trabajo Quebec-México y el grupo de trabajo Quebec-Jalisco. Y la actividad de hoy es sumamente pertinente, yo pienso, en el contexto de pandemia en el que no nos encontremos, donde la, la investigación en ciencias de la vida y tecnologías médicas será clave para la transición a una nueva normalidad. Y en este sentido, Quebec es la provincia líder en Canadá, ocupando el primer lugar por inversión en R&D con cerca del 2.3% de nuestro PIB. Y además, este porcentaje supera, diría, el de la Francia o de Países Bajos o de Reino Unido. Entonces, bastante importante. También Quebec posee un claro liderazgo en las ciencias de la vida, que es un sector conformado por más de 450 empresas, 56,000 trabajadores especializados, 10,000 científicos e investigadores, así como unos 20 centros de investigación públicos y universitarios. Y en fin, hace unos años el gobierno de Quebec puso en marcha su Estrategia de Ciencias de la Vida de Quebec 2017-2027 con una inversión inicial de 356 millones de dólares. En relación a esta, este breve panorama, los organismos quebequenses que nos acompañan el día de hoy son verdaderos líderes en distintos campos y sus presentaciones nos permitirán de poder conocer un poco más ampliamente sus respectivas áreas de especialización y lo que Quebec ofrece de mejor en el sector de las ciencias de la vida. Entonces, sin extenderme más, les felicito a todos y todas por la organización de esta actividad y les deseo unos intercambios muy fructíferos. Merci beaucoup. Muchas gracias. Muchas gracias, Madame Stephanie. Quiero también agradecer el apoyo de Luz María, que va a estar como intérprete ayudándonos en la traducción francés-español, Luis, Lupita, Estrella, que también están colaborando, todo el equipo que ha permitido Luis Soto igual organizar este evento. Antes de iniciar con el segundo bloque, me gustaría que, por favor, los que nos acompañan en este evento pudieran compartirnos en el chat de dónde vienen, de qué organización son y su nombre. Nos va a permitir sobre todo visualizar, he visto ya en los saludos gente de Chile, gente de México y de otros países que nos acompañan. Así que será muy interesante saber de dónde vienen, de qué organización y su nombre. Pueden ponerlo en el chat a lo largo de la sesión. Y bueno, vamos a iniciar con el segundo bloque. Podrán ver que cada uno de los bloques estará concentrado más en idioma español o en idioma francés, dependiendo nuestros invitados. Donc, je vais commencer avec la deuxième session, le deuxième bloc de notre session d'aujourd'hui. Et je voudrais remercier Damien Pereira tout d'abord pour le soutien que le ministère de l'Économie et de l'Innovation a fait pour organiser aussi cet événement. Damien est conseiller en affaires internationales pour la recherche et l'innovation dans le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Ce deuxième bloc va s'agir sur les caractéristiques de l'écosystème de santé au Québec, mais aussi on va faire un petit point concernant l'écosystème de santé au Mexique.
Donc, Damien, bienvenue, s'il te plaît, pour démarrer cette deuxième bloc. Merci beaucoup, Victor. Je vais partager mon écran. Je pense que vous devez arrêter votre partage pour que je puisse partager le mien. Parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, Damien Pereira, donc, conseiller en affaires internationales pour le ministère de l'économie et de l'innovation. Donc, premièrement, moi, je voulais remercier beaucoup les organisateurs, Victor Sanchez et ses équipes à Pragmatech, Hacking Health et notre délégation générale du Québec à Mexico pour cette belle organisation. Et aussi remercier tous nos intervenants québécois qui se sont fortement mobilisés pour venir échanger et identifier des nouvelles opportunités de coopération entre nos territoires. Je vais prendre aussi l'occasion de souligner l'anniversaire de Pragmatech parce que je pense que vous fêtez vos 10 ans. J'ai vu ça il y a quelques jours. Donc, félicitations, Victor, et merci encore d'avoir démontré autant d'intérêt à rapprocher les écosystèmes d'innovation du Québec, du Mexique et plus largement de l'Amérique latine pour le secteur des technologies médicales. Donc, je vais passer très rapidement sur quelques éléments généraux et je vais laisser le soin à nos experts qui vont s'exprimer dans l'atelier numéro 3 de revenir un petit peu plus en détail sur leurs différents écosystèmes d'innovation. Donc, le Québec est effectivement une force motrice au Canada avec une population de 8,5 millions d'habitants et un PIB de 377 milliards en 2019, donc composé de 17 régions économiques. Une qualité de vie donc exceptionnelle et des coûts d'opération parmi les plus bas en Amérique du Nord, ce qui génère beaucoup d'attraction au niveau de l'international. Une société effectivement bilingue et multilingue, bien que 85% de la population soit francophone. Et j'ai regardé, il y a à peu près 150 000 personnes dont la langue maternelle est espagnole au Québec. Donc, on a vraiment un dynamisme multiculturel vraiment très, très apprécié. Pourquoi donc le Québec est un hub technologique en santé digitale? Donc, vraiment, l'environnement académique de pointe du Québec attire vraiment de nombreux talents qui offrent beaucoup d'expertise dans une approche très collaborative. Vous pouvez voir donc 650 plus entreprises donc vraiment dans ce secteur-là, avec effectivement une collaboration très proche entre les mondes académiques, institutionnels et industriels, ce qui fait vraiment un terreau fertile pour vraiment la création d'entreprises dans ce secteur. Vous pouvez voir effectivement que la concentration sur les technologies médicales est à peu près de 27%, avec une répartition un petit peu dans les forces du Québec. Donc, effectivement, le Québec est aussi la province qui investit le plus. C'était rappelé par notre délégué général du Québec à Mexico en entrée sur les 10 dernières années en proportion de son PIB. Donc, vraiment le moteur de la recherche et de l'innovation au niveau du Canada. De nombreux centres de recherche académique d'excellence sont situés aussi dans les trois grands hubs et je suis vraiment très content de pouvoir avoir donc les trois hubs qui vont pouvoir être représentés aujourd'hui, donc avec effectivement Montréal, Québec et Sherbrooke, et qui ont chacun des expertises et qui vont pouvoir vous présenter un peu plus en détail leur spécialité. Et donc, à rappeler également effectivement que le Québec abrite également donc, la super grappe d'intelligence artificielle du Canada, Scale AI, et le centre MILA avec plus de 600 chercheurs regroupés, ce qui fait que c'est en fait le plus grand centre mondial en recherche, en apprentissage profond, en intelligence artificielle, et également d'autres centres comme notamment l'école d'intelligence artificielle en santé digitale, du CHUM, le centre hospitalier universitaire de Montréal. Damien, je suis désolé de t'interrompre, mais on va couper votre présentation. On démarre à nouveau. Oui, bien sûr. Ok. Est-ce que c'est mieux? Non, c'est pareil. C'est pareil, ok. Je vais essayer autre chose. Ok, ça marche. Est-ce que là, c'est mieux? Voilà, c'est mieux. Merci. C'est beau? Ok. Donc, j'ai effectivement donc, la chance d'avoir un grand hub en intelligence artificielle, ce qui fait qu'il y a une très belle corrélation avec le secteur des technologies digitales en santé et qui apporte un écosystème vraiment très dynamique autour de l'intelligence artificielle. Voilà.
Voilà. Et donc, il y a aussi donc également donc un secteur très puissant au niveau des technologies de l'information qui vient également soutenir ce secteur-là. Donc, vous pouvez voir un petit peu tous les grands groupes majeurs internationaux ont également donc des antennes au Québec. Et puis, donc, des secteurs très forts. Donc, on a parlé de l'intelligence artificielle, mais il y a également donc l'optique photonique ou le jeu vidéo. Donc, cet écosystème vient également soutenir les secteurs de la santé digitale. Voilà, donc tous ces éléments et toutes ces forces apportent un écosystème très riche donc, pour les startups et pour la valorisation de la recherche. À peu près 300 organisations donc, gravitent autour des différents secteurs du pointe du Québec. Donc, on parle d'oncologie, thérapie cellulaire, génomique, imagerie médicale, neurosciences, qui sont, donc tous ces acteurs sont auprès de l'écosystème pour soutenir l'innovation et pour aider à la commercialisation. Donc, vous avez vraiment des acteurs à chaque étape du développement qui vont pouvoir accompagner les entreprises. Et donc, voilà, donc ça va vous donner vraiment des axes stratégiques d'expertise qui ont été développés au Québec et qui ont fait naître dans différents secteurs, donc plusieurs entreprises qui se sont développées et qui sont maintenant présentes sur les marchés internationaux. Donc, vous voyez, donc la santé connectée, l'imagerie, la simulation, vous avez vraiment donc un écosystème vraiment qui est rendu à une maturité et un dynamisme très intéressant pour différents écosystèmes. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Je vous indique mes coordonnées pour la suite si vous souhaitez rentrer en contact avec moi pour pouvoir poursuivre ces échanges et identifier des partenaires potentiels au Québec. C'est là notre mandat le premier. Et je vais me faire un grand plaisir d'introduire notre prochain intervenant, donc M. Luc Sirois, titulaire d'un baccalauréat en génie électrique de l'Université McGill et d'un MBA de l'Université Harvard. Luc Sirois est aussi un entrepreneur reconnu au Québec et de par le monde pour son approche créative de l'innovation et pour son implication en technologie numérique au Québec. Investi auprès de nombreuses startups et organisations à but non lucratif axées sur la jeunesse, la santé, les sciences et l'éducation, il a cofondé le mouvement d'innovation en santé Hacking Health, et ainsi qu'un accélérateur et un fonds d'essaimage en santé numérique. Donc, suivant sa nomination comme conseiller stratégique du ministre québécois donc de l'économie et de l'innovation en août 2020, afin de piloter la refonte et la création d'un nouveau modèle de valorisation de la recherche publique, il est aujourd'hui le premier innovateur en chef du Québec et ça nous fait très, très plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Monsieur Sirois, cher Luc. Bonjour, et ben merci Damien, merci beaucoup tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est fantastique de retrouver mes amis de Hacking Health Mexico. Ça fait des années que l'on travaille ensemble à réfléchir à comment améliorer, accélérer, amplifier l'innovation dans le domaine de la santé. Et puis aujourd'hui, je vais partager un petit peu une perspective un peu plus large. Et je vais revenir sur cette complicité-là qu'on a entre nos deux régions depuis plusieurs années. Et Adriana aura certainement la chance d'en parler un petit peu. Mais je vais exposer de façon un petit peu plus large qu'est-ce qui se passe au Québec en termes d'innovation et avec ces développements-là que l'on fait. Parce que l'objectif dans une nation comme la nôtre, c'est de stimuler la productivité des secteurs économiques et de le faire par la recherche. Et dans le secteur de la santé, pourquoi? Parce que, vous savez, le délai entre le moment de l'invention, de la découverte médicale et que la technologie est rendue disponible pour les patients, la médiane, c'est 17 ans. C'est très, très long. Pendant 17 ans, les gens continuent à mourir, à souffrir, et c'est donc important d'accélérer. Dans tous les domaines technologiques, les choses s'accélèrent. On a un graphique ici qui montre combien ça prend de temps pour une technologie d'atteindre 100 millions d'utilisateurs. Pour le téléphone, ça a pris 50 ans. Pour l'électricité, ça a pris 40 ans. Pour la laveuse à vaisselle, ça a pris 20 ans. Pour l'Internet, ça a pris 10 ans. Pour le téléphone cellulaire, 10 ans, mesdames et messieurs. Pour la Facebook, 3 ans et demi. Angry Bird, 35 jours. Tout s'accélère. Pokémon Go, 19 jours. C'est intolérable que les technologies médicales prennent autant de temps. On l'a vu, c'est possible en sciences de la vie d'aller très rapidement lorsqu'on aligne les choses. Pourquoi qu'on peut accélérer aussi, c'est parce qu'au niveau de la technologie, on est dans un univers de réseaux connectés. On peut édifier des technologies dans l'info numérique à partir d'éléments existants, dans l'open sourcing, dans les GitHub de ce monde. On n'a plus besoin de tout réinventer. On peut réassembler à partir des technologies passées. On peut aussi connecter les gens.
au niveau de la recherche et du développement, de l'innovation, des réseaux de gens connectés, comme Mexico et Montréal et Québec travaillent ensemble, ça accélère les choses. Ce n'est pas seulement que dans le software, c'est aussi dans le hardware. Les éléments de hardware, on pense souvent que l'innovation au niveau du matériel, elle est très sophistiquée et a besoin d'usines. Mais non. Même les enfants peuvent maintenant bâtir à partir de ces plateformes, à partir de ces blocs technologiques et créer des nouvelles technologies hardware à partir de plateformes modulaires. Au Québec, on a créé un conseil de l'innovation. C'est des gens issus de l'industrie, des startups, des grandes entreprises, certaines institutions, certains anciens participants de Hacking Health, supporters de Hacking Health, des gens de la santé avec le chef de l'innovation du côté du ministère de la Santé, la chef de l'innovation dans le plus grand centre hospitalier universitaire au Québec, le CHUM, mais aussi des gens de l'économie, des entrepreneurs. Sous la présidence, on a notre scientifique en chef, Rémi Quirion, on a les directeurs d'accélérateurs qui a un volet health tech, et on a la présidence de Sophie Damour de l'Université Laval. La mission, elle est de conseiller le gouvernement sur comment accélérer les choses, comment simplifier les choses, comment faire que les entreprises fassent plus de R&D, fassent plus de nouveaux produits, le fassent de façon plus dynamique et plus connectée, mais aussi de conseiller non seulement le gouvernement, conseiller les entreprises, mais de prendre action pour simplifier les choses, accélérer les choses, inspirer, éduquer, créer des programmes de formation, etc. On définit présentement une nouvelle stratégie au Québec. On a eu la chance, vous savez, avec la pandémie, on peut aujourd'hui se connecter en virtuel par la vidéo et le Zoom. On a pu le faire avec des milliers de Québécois dans toutes les régions. Nous, le Québec, hein, vous savez, c'est une grande nation géographique. On est tous autour du fleuve du Saint-Laurent. Et des milliers de personnes se sont réunies pour réfléchir à comment faire de la meilleure recherche, comment se regrouper pour attaquer les défis de société, les changements climatiques et la santé. On a enfin, Damien vous l'a expliqué, créé cette nouvelle société de valorisation et de transfert. Et je vous donne ça parce que c'est des idées sur comment on peut connecter et collaborer. Dans une société de valorisation, on cherche les découvertes, les chercheurs, et on cherche des parties preneurs, des entreprises, et on fait des matchs. Et là, à l'international, il y a des collaborations extraordinaires qui sont possibles par des organisations comme celle-là qui essaient d'amener la recherche au marché. Je vais partager, s'il me reste quelques minutes, quelques anecdotes personnelles. Personnellement, le désir de contribuer à l'avancement, à l'accélération, il est né quand j'étais au Harvard Business School, lorsque j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs entrepreneurs, mais surtout des entrepreneurs qui travaillaient pour sauver la vie de leurs enfants en développant des technologies médicales, des produits, des cures pour des maladies rares et qui avaient vraiment la capacité d'accélérer. Personnellement, quand je suis revenu, j'ai été le fondateur d'une entreprise manufacturière de produits médicaux. C'est ces produits-là que l'on voit, des produits qui servent un peu partout dans le monde, à orienter les faisceaux de radiation dans des traitements de radio-oncologie pour augmenter la puissance, la précision et l'efficacité des traitements en radio-oncologie. C'est, dans le domaine manufacturier au Québec, on n'est pas bien avancé. On a beaucoup de chemin à faire. On a beaucoup à apprendre de vous, nos collègues du Mexique, puisque 80 % des entreprises tardent à prendre le virage numérique, tardent à prendre le virage des technologies de l'information, d'automatisation. Et plusieurs n'y voient pas l'importance. Et pourtant, quand on regarde, il y a des régions complètes dans les collègues de Hacking Health qu'Adriana et moi, avec lesquels on connecte dans le monde, il y a des régions qui se réinventent complètement grâce à la technologie. Alors, je vous pose la question ici. Quelle région du monde pensez-vous que c'est celle-ci? Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? C'est d'autres collègues francophones, je peux vous donner un indice, peut-être même des collègues français.
Oui, c'est des horlogers. C'est des horlogers de Besançon. Et à Besançon, où les gens organisent aussi, à King Health, il y a toute une réinvention. Tout ce secteur-là s'est requalifié, repris leurs forces et leurs talents pour se diriger vers les microtechniques. Alors, les microtechniques, c'est pertinent pour l'aéronautique, c'est pertinent pour les technologies médicales, c'est un savoir-faire qui est particulier et qui est développé dans des régions. On peut aussi se réinventer dans des produits qui sont des commodités. A priori, on regarde ici ce qui est des bouchons d'oreilles. Au Québec, grâce à la collaboration, justement, dont Damien parlait, avec Axelis, entre les chercheurs et les startups supportées par les accélérateurs, on réinvente des choses traditionnelles. Dans ce cas-ci, c'est avec EARS. On injecte des senseurs dans ces nouveaux pour les rendre intelligents, pour permettre de les rendre actifs et de créer énormément de valeur. On n'est plus une commodité, on est beaucoup plus loin. Alors, point de vue santé, je ne sais pas si les biscuits sont des exemples de santé, mais en termes de réinvention, il y a des entreprises manufacturières québécoises qui non seulement se modernisent, mais inventent des technologies de l'information qu'elles apportent aux autres. Dans ce cas-ci, c'est pour le partage du savoir. Et ça aussi, c'est une façon d'aller plus loin et d'aller plus vite. Je termine avec Hacking Health. On avait commencé en ouvrant avec ça. C'est un mouvement international de collaborateurs, collaboratrices, dont Montréal et Mexico, qui travaillent ensemble pour réfléchir à comment améliorer, accélérer, inclure les gens pour stimuler l'émergence de nouvelles idées en santé. Le secret, c'est de mettre ensemble des acteurs de tous les domaines. D'abord les patients, les utilisateurs du secteur de la santé, de les faire travailler ensemble avec des technologues qui ne connaissent pas les problématiques, et les gens de la santé ne connaissent pas les technologies. Les gouvernements, les investisseurs travaillent avec eux pour créer des projets qui pourront aller plus loin. Cette recette magique, elle est aussi dans des événements, comme on a aujourd'hui, de se retrouver ensemble pour échanger, pour connecter. C'est beaucoup plus facile en personne. On peut échanger des idées dans les corridors. Mais la magie de se connecter, d'avoir des événements dans un écosystème d'innovation, c'est important. Et de mixer les différents participants de différentes origines, c'est aussi important. Je vais terminer sur une petite vidéo qui explique un peu qu'est-ce que c'est Hacking Health et qu'est-ce que c'est un événement Hacking Health en images. Regardez, je vais arrêter mon partage d'écran, puis je vais le redémarrer pour être certain que vous allez avoir le son. Oui. Et je vais terminer là-dessus. Healthcare is a really complex domain. People are very motivated to improve healthcare because it has a lot of problems. It's really hard for them to get into the area, and Hacking Healthcare is this amazing way of people getting up to speed with the realities of what healthcare is about, what are the barriers. What's really important is the way in which it gets people from different areas together, so health professionals, programmers, designers, to better understand healthcare. Alors, c'est ça, un exemple de comment le Québec et le Mexique, Montréal et Mexico, collaborent, travaillent ensemble pour réinventer la santé. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Luc, pour ce partage d'informations concernant la politique de l'innovation au Québec, mais aussi l'histoire de Hacking Health et comment cette organisation aide le développement des technologies dans différentes parties dans le monde. Je vais juste finir ce deuxième bloc avec un aperçu concernant l'écosystème de la santé au Mexique et pour partager ce qui se passe autour de l'innovation dans notre pays. Et, en espérant que ce soit des informations utiles pour nos collègues québécois. Tout d'abord, démarrer avec un aperçu concernant le secteur santé au Mexique. Vous dire que le Mexique, vous connaissez, c'est un pays grand, c'est un pays qui est actuellement la 15e économie du monde, mais aussi
l'ancien pays le plus peuplé dans le monde. Et ça fait, dans une économie large, dans une économie aussi peuplée comme la nôtre, qu'il y a des différences importantes aussi dans les caractéristiques de la population. Une population en troisième partie encore jeune, et aussi avec des changements démographiques importants qui donnent forme aussi des problématiques spécifiques en santé qui se présentent déjà de manière importante dans notre pays. L'expectation de vie, c'est actuellement de 75 ans. Et il y a des problèmes de santé très grands, très importants dans notre pays qui prend de façon importante la politique, les stratégies de la santé des différents gouvernements, pas seulement au niveau fédéral, mais au niveau aussi estatal. Et spécifiquement, si on parle des principaux problèmes de santé, la diabète, c'est un des problèmes les plus graves, mais aussi la cardiopathie ischémique qui fait une des principales causes de meurtre dans notre pays, malheureusement. Mais après aussi, ce sont des problèmes qui viennent autour de l'obésité. Notre pays a des problèmes très importants. On est le deuxième pays au monde au niveau de l'obésité. Mais si on parle des enfants avec surpoids et avec de l'obésité, on est le premier pays dans le monde dans ce rank. Et ça donne une continuation de problèmes qui posent des différentes difficultés dans les systèmes de santé au Mexique, mais aussi la nécessité d'avoir des différentes technologies pour diagnostiquer, pour résoudre, pour améliorer l'impact de ces informations. Concernant le secteur, le Mexique est un pays où l'industrie pharmaceutique et l'industrie des dispositifs médicaux est fortement présente. Et on a actuellement cinq régions stratégiques où se concentrent la plupart des entreprises dans ce secteur-là, spécifiquement Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León et Baja California. Ce sont des secteurs, des régions où on a un développement très important, pas seulement au niveau industriel, mais aussi au niveau de la recherche, au niveau de la recherche et de l'innovation. L'industrie pharmaceutique a environ 75 000 salariés qui travaillent et on a une présence très importante des grandes entreprises, 20 des 25 plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde sont présentes au Mexique, d'ailleurs pour les marchés et aussi pour les connexions que ce pays a avec différents autres pays. NAFTA, c'est aussi un avantage compétitif pour ces pays afin de recevoir de la manufacture dans la pharmaceutique, mais aussi au niveau des dispositifs médicaux, où le Mexique actuellement est le huitième fournisseur au monde et le principal exportateur vers les États-Unis, et surtout avec une présence énorme des compagnies qui sont situées dans la frontière entre le Mexique et les États-Unis, Tijuana, et c'est un des exemples les plus connus, mais El Juárez aussi, c'est un autre endroit stratégique. Non? Il y a des avantages compétitifs qui aident à ce développement de ces industries, spécifiquement les traités internationaux, mais aussi la force de travail spécialisée dans des secteurs qui sont d'appui pour le développement de ces stratégies, et la chaîne de manufacture aussi qui est forte et bien connectée avec beaucoup de l'expérience. Le dynamisme que certains secteurs ont actuellement au Mexique concernant le marché de la santé. Luc a évoqué tout à l'heure l'importance des aspects numériques et les technologies de l'information et la communication. C'est vrai que ce sont des secteurs avec une énorme présence au Mexique. Et d'ailleurs, quand on fait ce mélange entre ces secteurs et les applications spécifiques dans l'agriculture ou la santé, ça permet d'avoir une évolution importante dans des secteurs comme l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et la télémédecine. Ce sont des secteurs où on commence à regarder différentes startups qui évoluent, qui sont présentes dans l'écosystème santé au Mexique. Il y a aussi, à cause de différentes problématiques de santé, des autres secteurs qui sont aussi présents
et qui montre une évolution importante qu'il faut atteindre et où la recherche et l'innovation posent des importantes opportunités pour les chercheurs, les entrepreneurs et pour les connexions qu'on puisse faire avec des autres organisations au Mexique et par ailleurs, afin de développer des technologies dans des secteurs importants comme la cellule souche, la lecture de l'ADN, vecteur viral, entre autres. Je voudrais juste finir avec deux sujets spécifiques concernant les rapports commerciaux entre le Canada et le Mexique. On n'a pas des informations spécifiques concernant le Québec et le Mexique, mais ce qu'on voulait, on voudrait surtout montrer, ce sont les opportunités aussi qu'on puisse avoir entre ces régions du Québec et le Mexique, les participants qui sont là aussi, et pour voir quelles sont aussi les technologies spécifiques, les catégories de produits qui sont actuellement les plus demandées dans ce marché spécifique qui est le Mexique. C'est juste des informations pour vous partager. On va approfondir pour les questions de temps, mais juste pour vous dire que c'est dans les produits pharmaceutiques, dans les équipes médicaux, il y a une nécessité constante. Ici, la liste des produits les plus demandés, les catégories des importations globales du Mexique et qui montrent la nécessité d'avoir des technologies dans différents domaines. Si on fait un focus sur les secteurs spécifiques en provenance du Québec, voici la liste des technologies aussi qui ont un rapport avec le Canada. Et je finis avec cette information. Luc a dit quelque chose tout à l'heure, un message important sur la relevance de mettre des acteurs dans des différents domaines pour travailler ensemble dans l'écosystème de la santé. Et ce qu'on a pu regarder, c'est qu'au Mexique, il y a un écosystème en innovation qui a grandi déjà, qui a une présence importante des acteurs dans les différents domaines. On met ici que des exemples, ce n'est pas les seuls acteurs, ce n'est pas les acteurs les plus connus, ce sont des exemples des acteurs. Et j'ai fait appel à cette démarche théorique conceptuelle de Tedesco et Serrano concernant les caractéristiques qu'un écosystème doit avoir pour améliorer le dynamisme et la collaboration entre les acteurs. Avec ces six catégories qui sont nécessaires dans un écosystème pour pouvoir avoir des relations de sustentabilité et de la croissance pour les secteurs que ces acteurs supportent. Des articulateurs, des facilitateurs, des acteurs qui mettent des liens entre les acteurs, des générateurs de la connaissance, des communautés spécifiques et des promoteurs. Ce qu'on a pu voir au Mexique, c'est qu'au niveau de la santé, on peut regarder une présence importante de ces six catégories. Quelques catégories ont plus d'acteurs que d'autres, mais on a déjà les pièces nécessaires pour démarrer. Ce qui nous manque, c'est de fortifier la collaboration, de mettre en valeur les différents mécanismes afin de communiquer, informer, partager les besoins entre ces acteurs-là. C'est encore du travail à faire. Mais il y a beaucoup parmi les acteurs qui sont présents aujourd'hui, les assistants, de nombreuses organisations qui font énorme travail, des travaux très importants pour fortifier ce secteur santé. On est content de le savoir et on est sûr qu'on pourra, d'ici à quelques années, montrer un pays avec une importante croissance dans le développement de la technologie en santé qui puisse être un associé important dans notre région et pays dans le monde comme le Québec. Je vais finir avec ma présentation à ce moment-là et je voudrais juste inviter à nos assistants, si vous avez quelques questions à poser à Luc concernant sa présentation, on a quelques minutes encore afin de démarrer pour la troisième partie. Et si vous avez des questions, vous avez le chat et vous avez la section questions-réponses qu'on peut utiliser pour cette séance. Pour l'instant, je voudrais juste, Luc, te poser une question. Quels sont les projets de Hacking Health pour l'avenir, les connexions qu'actuellement vous avez
dans ce contexte de la pandémie qui n'aide beaucoup, n'aide pas beaucoup à la connexion, à la collaboration entre les acteurs. Quelles sont les actions que vous avez mises en place pour continuer avec cette démarche? Oui, c'est très difficile. On réinvente pendant la pandémie chacun. Puis à Hacking Health Mexico, vous avez particulièrement bien réussi à voir comment on peut refaire les événements d'innovation dans un contexte virtuel. On expérimente avec différents outils en ligne. On en a créé quelques-uns. Il y a eu plusieurs variations, une bonne quinzaine de hackathons, événements de création en virtuel, parfois en synchrone, des fois asynchrone, avec des niveaux de succès quand même relativement étonnants. Au CHUM, on a eu un événement où on mélangeait évidemment le présentiel et le virtuel. Et puis, je pense que la question d'avenir est importante. Il y a des projets au Québec, vous allez entendre parler par Marie-Pierre Fort de Innovators in Residence, innovateurs en résidence, innovatrices en résidence. Comment amener du financement pour des projets, des entreprises et de les accueillir dans le milieu clinique pour leur permettre de développer. C'est le genre d'initiative là, qu'on explore dans le grand réseau Hacking Health dans le monde et ici au Québec. Vous allez entendre parler de MedTech Plus aussi. MedTech Plus qui est un organisme de financement, de soutien à la recherche entreprise académique en collaboration, support aussi à l'entrepreneuriat, la création d'entreprises dans ce secteur-là. Et eux déploient ce concept de beachhead, donc un beachhead pour permettre encore à des health tech entrepreneurs, à des entreprises, de pouvoir avoir accès au milieu hospitalier clinique. Ça, c'est des voies d'avenir là, que tous ensemble, on doit explorer. Comment accélérer l'accès à l'expérimentation dans le milieu clinique. Merci. Luc, on a deux questions. En provenance de Jaime Reyes, qui a été une des personnes les plus importantes pour démarrer l'écosystème, pour fortifier l'écosystème de l'État de Jalisco. Et sa question est concernant les applications de réalité virtuelle dans les domaines de la santé. Qu'est-ce que tu peux nous partager qui se fait actuellement au Québec? C'est un des secteurs qui a beaucoup de promesses. Les applications de réalité virtuelle, il y a la partie réalité augmentée où au Québec, ce qu'on a développé, c'est de l'assistance de professionnels de santé à professionnels de santé. Hacking Health Accelerator a supporté des entreprises dans le domaine REACS, donc pour aider à une communication sécurisée, mais entre un professionnel de santé d'expérience pour assister un autre professionnel à distance en ayant de la réalité augmentée. Donc, ça, c'est le genre d'innovation qui se fait et qui sont en exploration. Au Québec, on a CAE, l'entreprise de simulateurs médicaux, qui utilise beaucoup la réalité virtuelle, la réalité augmentée, pour la formation au niveau des technologies de la santé, au niveau des pratiques et des protocoles cliniques. Et d'autres entreprises créent des editors, tu sais, des systèmes auteurs où on peut créer des réalités virtuelles pour permettre de créer des environnements de formation. Donc, c'est surtout au niveau de l'assistance, de la formation ou de la création pour la formation que les choses se passent au Québec. Pas vraiment au niveau de la pratique clinique, là. Je pense qu'on en est encore il y a encore plusieurs années de développement avant qu'on en arrive là, à cette promesse. Puis il y a peut-être un dernier secteur, le secteur de la 5G va vraiment faire une différence en réduisant la latence au niveau de la réalité augmentée, des communications en temps réel, en réalité augmentée, mais là aussi il y a du développement à faire. Une autre question concernant Norma Elisabeth qui avait été posée, mais qui peut être aussi d'intérêt pour nos prochains collaborateurs, en spécifique Martin Courmanche. Quelles sont les opportunités qui ont des technologies en provenance du Mexique, de la TAM, en pharmaceutique ou en dispositifs médicaux pour arriver au Québec? Quelles sont les opportunités ou quels sont les chemins qu'on peut parcourir pour y arriver? Bien, c'est une bonne question. La question, elle est pour moi. J'aimerais bien savoir. Oui, tu as des informations à poser, sinon pour la transmettre. Bien, je pense que ça serait une bonne question pour nos amis de MedTech, de l'Institut TransMedTech, du Santec aussi, ceux qui sont
en fait, Medtech et Transmedtech, ceux qui sont vraiment sur le terrain, qui pourraient avoir une réponse plus précise à cette question-là. Je pourrais vous donner des grandes lignes, mais je pense que vous allez avoir une meilleure réponse lors de l'atelier dans le prochain bloc. On va garder ces questions pour le troisième bloc. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup, Damien, pour ces informations importantes. On continue donc pour le troisième bloc. Donc, laisse-moi demander à nos cinq intervenants, vous pouvez ouvrir votre caméra, être ici parmi nous, Justine Caillot, Marie-Pierre Foy, Christophe Manet, Martine Courmanche et Julien Lucchesi. On va démarrer la troisième partie de notre séance avec ces organisations qui sont dans le terrain, effectivement, comme Luc l'a mentionné, qui travaillent jour à jour, jour après jour avec les domaines de la santé. Et on va tout de suite démarrer avec Justine Caillot, gestionnaire intégration et de l'innovation de Medtech. Justine, tu es la bienvenue dans notre événement. Et voilà, on va voir ta présentation et connaître plus concernant ton organisation. Et c'est à ton tour. Alors, merci beaucoup, Victor, pour l'introduction. Je vais partager mon écran. Laisse-moi finir de partager. Voilà. Ça y est. Parfait. Donc, bonjour à tous. Justine Caillot, je suis gestionnaire intégration de l'innovation au sein du consortium MedTech Plus. Donc, quelques mots de présentation ont été faits par Luc Sirois. Merci beaucoup. Je vais passer un petit peu plus en détail pour vous présenter nos activités. Donc, MedTech Plus est un consortium industriel en technologie médicale. On a été créé en 2013 et lancé et supporté initialement par le gouvernement du Québec, notamment le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et nous sommes un organisme à but non lucratif. Notre premier mandat est de supporter et financer des projets collaboratifs, donc des projets entre des partenaires universitaires et académiques et des entreprises. Jusqu'à présent, nous avons financé plus de 100 projets de collaboration pour une valeur totale de plus de 61 millions de dollars, impliquant plus de 200 partenaires. Nous avons donc un mandat de développeur économique, mais nous créons aussi un impact sociétal grâce à ces projets de collaboration en santé. Depuis 2017, le gouvernement du Canada nous a reconnus comme un centre d'excellence en commercialisation de la recherche, avec comme mission principale l'intégration de nouvelles technologies et d'innovations dans le système de la santé au Canada. Avec ce mandat, nous avons créé deux programmes. Le premier s'appelle MedTech Invest. On est capable d'investir directement pendant des levées de fonds dans des startups et PME au Canada dans leur phase de commercialisation. Et nous avons créé également un deuxième programme qui s'appelle le programme Beachhead, qui est un processus accéléré pour l'adoption des nouvelles technologies. MedTech Plus, c'est aussi un réseau important. Nous comptons plus de 200 membres, dont la grande majorité est représentée par les startups, les PME et les multinationales comme des grands joueurs comme Medtronic ou AstraZeneca. Et nous avons également développé des partenariats et des collaborations stratégiques avec l'Institut TransmedTech, notamment avec des instances gouvernementales et des partenaires à l'étranger, à l'international, pour favoriser les collaborations et vraiment aider les entreprises, les entrepreneurs dans l'accélération de leur croissance. Cette diapositive, elle est pour vous illustrer notre présence au Québec, mais également au Canada. Donc, nous sommes localisés, nos bureaux sont à Montréal, au Québec. Mais grâce à notre mandat fédéral, nous avons des sites Beachhead, dont je reviendrai juste après, à travers le Canada. Et nous avons également investi, donc nous avons une présence pan-canadienne grâce à notre portefeuille d'entreprises dans lesquelles nous avons investi. En parlant d'investissement, cette diapositive, elle représente un petit peu les logos des entreprises dans lesquelles nous avons investi lors des rondes de financement. Nous investissons depuis 2017 et donc nos investissements ont vraiment suivi la tendance du marché, c'est-à-dire que nous avons investi principalement dans les dernières années dans des entreprises en santé numérique et en intelligence artificielle. Je vais maintenant vous présenter le programme Beachhead. Donc, ce programme, il est vraiment venu d'un constat sur le terrain pour les entrepreneurs. Il est difficile
d'intégrer des hôpitaux, d'intégrer des centres universitaires. Il est difficile de savoir à quelle porte toquer. On a donc créé un partenariat unique entre des centres d'excellence et des entreprises pour vraiment faciliter l'adoption de nouvelles technologies basées sur la valeur. Avec ces sites d'excellence, nous travaillons de manière très étroite pour avoir un accès privilégié aux cliniciens, aux chercheurs, mais également aux plateformes et aux bases de données, qui est un enjeu très important, notamment pour les entreprises en santé numérique et en intelligence artificielle. Et nous prônons la collaboration dans un environnement sûr, dans un environnement contrôlé, pour accélérer la commercialisation des nouvelles technologies. Rapidement, le réseau Beachhead, c'est 9 centres canadiens qui ont été sélectionnés pour leur talent en innovation. Et également, nous collaborons avec des partenaires à l'étranger, donc aux États-Unis, en Europe et en Israël, pour favoriser les collaborations et aider nos entreprises québécoises qui veulent pénétrer des marchés à l'étranger. Enfin, avec le programme des Beachhead, on est vraiment capable de faire du push technologique, donc de présenter à nos centres d'excellence des solutions innovantes, mais on est aussi capable, à l'inverse, de collecter les besoins venant du terrain. Et c'est le cas de l'illustration avec cet appel à solutions des chercheurs de 2 établissements différents, donc un au Québec et un en Ontario, nous sont venus avec un problème identifié dans le traitement et le diagnostic de la fibrose pulmonaire. Et on a été capable, grâce à notre réseau de membres industriels, de mener à bien, de trouver des collaborations. Donc, 4 entreprises collaborent ensemble pour résoudre cette problématique de santé. Nous avons dans ce projet l'entreprise multinationale Boehringer Ingelheim, qui est spécialisée en pharmaceutique, l'entreprise, la PME Imagia, qui est une entreprise québécoise spécialisée en intelligence artificielle, et 2 entreprises, 2 startups canadiennes, Seamless MD et Curatio, qui, elles, sont spécialisées en santé numérique. Ces 4 entreprises collaborent ensemble pour pouvoir répondre à un besoin du terrain. Donc, c'est vraiment un beau cas d'école et on est capable, avec notre réseau, de répondre à un besoin clinique très important. Enfin, dernière diapositive qui va vraiment résumer l'ensemble de nos activités chez MedTech, comment on peut aider les entrepreneurs. Donc, on est vraiment là du début du développement, donc quand l'entrepreneur a ses premières idées sur papier, jusqu'à la commercialisation, grâce à différents fonds, grâce à des subventions et également grâce à notre réseau établi et à un coaching personnalisé. Donc, je vous remercie et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Justine. Est-ce que tu peux élargir, s'il y a des questions du public, concernant les nécessités de santé proposées par les entreprises? Dans quel domaine spécifiquement sont les plus demandés les services d'accompagnement de MedTech Plus? Alors, je dirais depuis les dernières années, les demandes, 90% de nos projets sont en santé numérique et en intelligence artificielle. Donc, tout domaine, toute thématique de recherche, mais vraiment en santé numérique et en intelligence artificielle. Parfait. On va voir, Justine, à la fin, des questions générales qu'on va poser tous les 100 intervenants. On va continuer avec cette section questions-réponses. Merci beaucoup. Je tout de suite passe la parole à Marie-Pierre Faure, qui est directrice adjointe Living Lab et partenariat projet spéciaux dans l'Institut Transmedtech. Bienvenue, Marie-Pierre. Voilà, on peut y regarder ta présentation. Ben, bonjour à tous et puis merci Victor et les organisateurs pour cette invitation. Je suis ravie de vous présenter Transmedtech. Je suis ravie de le faire après Justine. Justine se trouve pour nous en aval du processus Transmedtech, mais on se situe plutôt en amont, puisque Transmedtech est née d'une initiative d'une université qui s'appelle Polytechnique de répondre à un appel à projets et de subventions à travers les fonds Apogée Canada en 2016. Ainsi que le ministère de l'Économie et les fonds de recherche du Québec pour une totalisation d'à peu près 95 millions. Je pense que la plus grosse subvention que Polytechnique avait reçue. Tout ça apporté par Carl-Éric Aubin, professeur et notre chef à l'interne. Ça a donné la création de Transmedtech Institute et avec une approche Living Lab, innovation ouverte.
Pour ce faire, cinq institutions sont à bord, donc l'université, deux universités, Polytechnique, Université de Montréal, et trois hôpitaux. Un dans lequel nous sommes, puisque c'est l'hôpital Sainte-Justine, c'est où je suis en ce moment physiquement, où on occupe tout un couloir qui est entre, en fait, la recherche et la clinique et l'hôpital. Donc, on se trouve vraiment au cœur de ce qui se passe et l'innovation est près des utilisateurs et des développeurs. On est également partenaire de l'hôpital général juif et le CHUM, qui sont nos institutions fondatrices. Pour ce faire, nous avons décidé d'avoir notre mission est vraiment de catalyser en fait, les nouvelles technologies. On est vraiment technologie médicale et en les syndiquant et en les catalysant et en les accélérant, on espère faciliter leur implantation dans le système de santé et en partie aussi à travers les industries, de faire le lien entre la recherche et l'industrie. Puisque nous sommes une université, on a aussi le mandat de former la prochaine génération de ceux qui vont développer toutes ces technologies, que ce soit dans les universités, les entreprises, et également de supporter l'innovation, puisque nous sommes dans un écosystème, je pense que Luc Cerbois l'a très bien mentionné, pour supporter notre communauté et notre réseau. On a choisi pour réaliser notre mission de focaliser là où on était bon. Alors, on a choisi de ne pas tout faire et on a vraiment choisi trois grands, je dirais, disciplines et grandes maladies qui sont les cancers, les maladies cardiovasculaires et tout ce qui est neuromusculosquelettique. Et malheureusement, depuis l'année dernière, on a rajouté le COVID-19 avec un appel à projet qui était décidé dans un temps très court et qui nous a fait rajouter une quatrième ligne de maladies malheureusement importante. Pour ce faire, on a choisi aussi, par nos expertises, d'avoir des axes technologiques très précis. Donc, tout ce qui est diagnostic, thérapeutique, réhabilitation fait partie de TransmedTech. Et depuis, je dirais, deux ans et demi, en transversal, tout ce qui touche la santé numérique, tout ce qui est simulation et data sont devenus aussi maintenant notre bruit de fond de la majorité de ce que nous supportons depuis les deux dernières années. Pour ce faire, on a choisi d'avoir l'approche que nous, on appelle LINAC, certains l'appellent innovation ouverte. En fait, c'est surtout de répondre à des besoins qui ne sont pas remplis et comment mettre toutes les parties prenantes utilisateurs autour de la table. Alors, sur mon point rouge, que vous voyez en termes de besoins non remplis, les besoins peuvent nous arriver des chercheurs de notre écosystème, des entreprises autour de nous, peuvent nous venir des cliniciens autour de nous et récemment du système de santé par rapport aux appels à projets COVID. Par rapport à ces problèmes et ces porteurs d'identification de problèmes, la façon d'y répondre est de se collégialiser très tôt et de se syndiquer très tôt autour de la problématique et de mettre toutes les solutions. Et c'est là, vous voyez, toutes les parties prenantes, de l'ingénieur, administrateur, etc., se mettent tout autour de ce besoin-là pour y répondre. Comment nous y répondons? On a choisi de se structurer et en se structurant, c'est ce que vous voyez sur la partie droite de ma diapositive, on reprend donc les besoins non remplis et on définit et on conceptualise en fait tout un cycle de développement qui sont essentiellement pour ceux qui travaillent en développement de produits, comment on développe un produit en technologie médicale et comment on peut l'accélérer. Dans ce développement-là, six étapes sont requises et TransmedTech, nous les accompagnons en fait sur les six étapes et c'est ce que vous voyez au centre, toutes ces petites alvéoles comme des nids d'abeilles représentent notre rapport par notre équipe. On a à peu près une trentaine de personnes où on vient bonifier et accélérer en fait de l'étape 1 jusqu'à l'étape 6 qui va jusqu'éventuellement à la mise en marché. Ceci inclut également tout le volet réglementaire et ce processus que vous voyez depuis 2020 est certifié ISO 13485 dans le but justement de se rapprocher de plus en plus des normes de l'industrie et de parler un langage commun qui nous permet de faire justement ce passage du besoin à la solution et à la solution implantée dans nos secteurs d'activité. Dans cette approche-là, depuis 2017, on a commencé l'automne 2017, sur les 95 millions de subventions que nous avons, nous en avons à peu près investi une quarantaine. Et là, en lien, dans ce que vous voyez, c'est un petit peu ce que nous avons à cet automne, on a 115 projets en co-développement. Et là, je refais le lien avec toi, Justine, par rapport à MedTech, puisque ces projets en co-développement sont tous évalués par un comité externe, qui est celui de MedTech. Et dans certains projets, nous sommes aussi supportés financièrement par l'approche MedTech+, dans certains des projets dans lesquels les entreprises sont à bord.
Depuis 18 mois, nous avons supporté, nous supportons 12 chaires de chercheurs. Certains sont venus de l'extérieur du Québec et sont implantés dans les 5 sites que nous avons sur Montréal. De ces professeurs et de ces projets-là, on s'est rendu compte qu'il y avait, par ces professeurs-là, souvent des plateformes spécifiques je dirais, d'expertise qui n'étaient pas toujours exploitées et qui pouvaient servir à l'ensemble de la communauté. Donc là, nous avons actuellement une vingtaine de plateformes technologiques supportées par une quarantaine de personnes sur les sites, dans les 5 sites sur lesquels nous sommes, et qui viennent apporter des services à la communauté, des chercheurs qui sont autour d'eux. Ça va de la pathologie numérique en passant par du séquençage. Et dans cette approche-là de TransmedTech, puisque nous sommes une université, je reviens à la formation des étudiants, nous avons des bourses d'excellence, nous sommes à la 5e cohorte et nous avons actuellement en cours 120-130 étudiants qui sont soit de niveau doctorat, PhD, postdoc et maîtrise, et qui apportent aussi un support à tous ces chercheurs et à ces projets-là. Donc, dans cette approche-là, nous avons un programme dans TransmedTech. L'ADN de TransmedTech, c'est l'accompagnement, je pense. L'accompagnement tant des chercheurs, des professeurs, que maintenant des entreprises et des besoins. Donc, par rapport au programme de ces étudiants qui vont être la prochaine génération, ils ont très tôt un profil, soit entrepreneur, industriel et académique, et on les accompagne jusqu'à la réalisation de leur fin de leurs études. Et certains ont même été réengagés par l'Institut TransmedTech. Dans cette approche-là, ici, vous avez juste une illustration de à quoi une plateforme technologique en pathologie pourrait ressembler. Et nous ne sommes pas tout seuls, ce sera ma dernière diapositive, nous sommes à la fois une équipe à TransmedTech, mais aussi dans un écosystème avec nos partenaires, et c'est là où on rejoint certainement la présentation de Luc et des autres autour de ça du Mexique, pour voir comment on s'insère et comment nous travaillons aussi, non pas en silo, mais en totale synergie avec les membres de tout cet apport de cet écosystème au Québec, et maintenant de plus en plus aussi à l'international. Et je vous remercie, si vous avez des questions, je serai là pour y répondre. Merci Marie-Pierre. On a vu il y a deux caractéristiques très intéressantes de l'écosystème de santé au Québec. D'abord Justine avec cette connexion avec les nécessités de santé de l'industrie et Marie-Pierre avec cet écosystème interne que vous avez créé pour développer vos activités. On a deux questions spécifiques, Marie-Pierre, très liées tous les deux, de Daniel Pejsaczowicz et André Gomez, concernant si vous avez des projets dans les toutes premières étapes de recherche et de développement, TRL1, D2, ou vous travaillez seulement dans les dernières parties du TRL, et si c'est le cas, si vous avez des projets dans des phases très initiales, quels sont vos moyens de financement pour ces projets dans tous les débuts de développement technologique? Alors, je vais commencer par répondre à la première partie de votre question sur les 120 de projets en co-développement financés et approuvés en cours. Je dirais qu'un bon tiers sont en TRL 2, 3, donc phase initiale portée par des chercheurs, puisque TransmedTech au départ est partie par l'Université Polytechnique et les chercheurs. Donc, on avait beaucoup plus de chercheurs et cliniciens ensemble, ingénieurs, une bonne idée, et là on voudrait l'amener plus loin et on voudrait la développer. Donc c'est là où la partie financement rentre dans ces projets-là, sur des montages encore. Donc on cherche quand même qu'il y ait un début de preuve de principe. Donc on ne finance pas la recherche fondamentale, il y a d'autres institutions pour le faire, mais à partir du moment où on est une preuve de principe, et on a eu dans notre démarrage des deux premières années beaucoup de TRL 3 et qui allait vers 4 ou 5. Et là, tranquillement, puisqu'on devient un peu plus aussi proche des entreprises et des startups, ayant même nous-mêmes géré à travers les projets des startups portés par des étudiants ou des chercheurs, avec le recul des 4 dernières années, on supporte aussi des TRL en ce moment, 7, 8, 9, qui arrivent tranquillement. Donc, on va, de 3 à 7, 8, et en ce moment, on essaie d'avoir un portefeuille de projets justement variés, et variés aussi dans les thèmes et dans les pathologies et dans les sites. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, je voudrais juste vérifier si l'interprète a repris le service d'interprétation. Sinon, faire une traduction rapide des últimos puntos que dijo Marie-Pierre, que la investigación fundamental no es un foco principal de esta organización, sino más TRL4 en adelante,
con proyectos específicos relacionados. Merci beaucoup, Maripia. On va continuer avec les présentations et je vais donner la parole à Christophe Manes, directeur du Créneau Québec. Bienvenue, Christophe. Tu peux partager ton écran. Merci, Victor. Merci à tout le monde pour l'invitation. Donc, Christophe Manès, moi, je suis le directeur du créneau Québec Vité à la capitale nationale, donc à Québec. Je suis intégré, en fait, dans une structure qui s'appelle Québec International, qui est une agence de développement économique pour la région de la capitale nationale. Donc, je vais vous présenter les deux organisations. La première, donc Québec International, c'est à peu près maintenant 100 employés de différents pays, puisqu'on a 19 langues parlées en interne. J'ai la chance de côtoyer des collègues qui viennent du Brésil, du Chili, du Pérou, de la Colombie, du Mexique, qui pourront vous accueillir également sur différents projets autour de la santé, bien sûr, pour Québec Vité, mais également d'autres projets technologiques ou pourquoi pas de l'immigration au Québec. Pour la partie Québec Vité, donc c'est un créneau d'excellence dont le but, c'est l'animation sectorielle. C'est de faire travailler à la fois les entreprises et les organisations publiques, comme le ministère de la Santé ou la nouvelle agence de développement économique que Luc a cité tout à l'heure, Axelis, dont la directrice est membre de Québec Vité également. Donc, Québec Vité, c'est à peu près 25 entreprises au niveau du conseil d'administration qui travaillent sur des projets structurants, sur des projets de collaboration entre entreprises. Un exemple, par exemple, au niveau de la COVID, on a travaillé avec Medicago, qui est une entreprise spécialisée à Québec dans la production et la recherche de vaccins à base de plantes, et GSK, qui est une entreprise pharmaceutique mondialement connue. On a travaillé ensemble sur la production au niveau du COVID et l'utilisation de leur adjuvant pour le futur candidat vaccin au niveau de la COVID-19. On travaille également sur des projets structurants pour faire à la fois des projets qui servent à la communauté, faire travailler des entreprises qui n'auraient pas pensé à travailler également ensemble pour imaginer de nouveaux produits, imaginer de nouveaux services bénéfique aux patients et au Québec. Ce qui représente à peu près moins de 10 000 emplois, 6 370 également directs, 185 entreprises, un peu plus d'un milliard 8 au niveau des ventes. Et les expertises de la région, la capitale nationale, sont centrées sur plusieurs domaines, dont ce qui est biopharmaceutique, la bioproduction, notamment au niveau des vaccins, la production de médicaments, dispositif médical également, la TI santé. Mais quand on pense également au vaccin, on a la chance également d'avoir tout ce qui concerne les maladies rares au niveau de la recherche avec le centre de recherche en infectiologie. On a également tout ce qui est tests, les fameux tests PCR, bien utiles depuis 18 mois. Donc je vous ai mis un peu un portrait des différentes grandes entreprises avec qui je travaille, notamment donc au niveau du vaccin et des maladies infectieuses. Donc GSK, qui a une usine ici, qui travaille avec Medicago, qui est en construction de la deuxième usine, qui ouvrira ses portes en 2024 et qui permettra de produire à peu près 1 milliard de doses de vaccins. IMV, qui est également spécialisé sur le vaccin au niveau de l'oncologie. Après, on a tout ce qui est drogue, donc Endosotics, Feldan également, avec qui on travaille. CDC qui travaille aussi sur la base de produits dans tout ce qui concerne les entreprises pharmaceutiques ou cosmétiques. Les centres de recherche également, qui collaborent avec le CHU de Québec. L'Institut de universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, qui quelque part pourrait répondre aussi à votre besoin. J'ai vu effectivement la présentation de Victor où tu parlais justement que le problème des maladies importantes au niveau du Mexique, c'était l'obésité. L'Université de cardiologie et de pneumologie de Québec est également spécialisée dans l'obésité. Donc, il y a peut-être des liens, des ponts à faire entre nous, tout en sachant que le directeur en fait, fait partie également des membres de Québec Vité. Au niveau du diagnostic, donc tout ce qui est test, on a BD qui est aussi présent, Meridian Bioscience qui a racheté Genpoc, qui était une entreprise qui était issue de la créativité et de l'innovation à Québec.
Dans les autres parties, donc tout ce qui est dispositif médical et e-santé, donc voilà, on a différentes entreprises également qui sont ici. Oxinov, par exemple, c'est l'une des dernières pépites qui est créée à Québec et qui révolutionne tout ce qui est oxymétrie dans la chambre du patient, c'est-à-dire la délivrance d'oxygène de façon automatique et régulée pour le patient. Ça me fait penser à ce que Luc a fait voir tout à l'heure au niveau du stéthoscope. Ben là, Oxinov, le produit qui révolutionne, a été créé en 1904 et depuis n'a jamais, jamais évolué. Et l'innovation est ici vraiment une révolution comme dispositif médical qui permet à la fois de faire une économie d'oxygène. Par ces temps, au niveau de Covid, on a pu voir différentes expériences dans différents pays sur la gestion et la pénurie d'oxygène. Également un gain de temps pour les équipes médicales et notamment les infirmières, puisque cet appareil va devoir faciliter en fait la délivrance automatique et la régulation automatique de l'oxygène. Et différents points également, c'est qu'on a différents sites de soft landing, donc d'accueil, qui permettent aux entreprises avec qui on travaille, que ce soit à Québec, au Canada ou à l'international, de pouvoir les mettre également en relation avec nos centres universitaires. Donc c'est un complexe assez important au niveau du CHU de Québec. On a le nouveau centre hospitalier qui est en cours de construction et qui sera livré d'ici 2023-2024, spécialisé dans tout ce qui est oncologie, génomique, immunologie, infectiologie et maladies rares. L'IUCPQ, dont je vous en parlais un tout petit peu plus tôt sur le site précédent, spécialisé dans la cardiologie, la pneumologie et l'obésité. Le cerveau, comme son acronyme l'indique, c'est la recherche sur les maladies au niveau du cerveau. Et le CIRIS, qui concerne tout ce qui est réadaptation. Voilà un petit peu les différentes collaborations que l'on a au niveau de Québec Vité. Je suis à votre disposition. Voici mon adresse courriel pour pouvoir répondre à vos questions. Merci à vous. Oui, mais merci Christophe. Et d'ailleurs, on a une question de la part du public concernant l'intérêt que vous avez sur des outils de diagnostic pour des maladies rares. Est-ce que tu peux élargir un petit peu les travaux que vous faites là-bas? Et moi, je serais aussi intéressé, si tu peux élargir sur les lignes de recherche que vous avez concernant l'obésité, surtout pour les contextes qu'on a mis précédents. Oui, tout à fait. Alors, au niveau des maladies rares, on a depuis 1974 le centre de recherche en infectiologie qui a été créé et qui permet justement de travailler sur différentes recherches au niveau des maladies rares avec le centre hospitalier universitaire du Québec et également les différents chercheurs de l'université Laval qui est à Québec et également l'interaction avec des entreprises qui a permis de créer de nouvelles start-up, de spin-off également issus de ce centre de recherche. Excellent. La deuxième question. Concernant l'obésité, est-ce que vous pouvez élargir, Christophe, quels sont les travaux que vous êtes en train de faire actuellement? Alors, pour ma part, je ne suis pas directement impliqué dedans, donc j'aurais du mal à répondre, mais par contre, je peux mettre en relation avec les bonnes personnes qui sont dans ce domaine au niveau de l'obésité. Excellent. Je te remercie beaucoup, Christophe, et on va continuer aussi pour ce troisième bloc. Martine Courmanche, est-ce que tu peux… On est enchanté d'avoir aussi la présence de Sherbrooke Innopol. Martine est directrice services aux entreprises, sciences de la vie et micro-nanotechnologique. Donc, voilà, tu peux démarrer ta présentation. Merci. Merci Martin. Beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend bien et on voit ta présentation. Vas-y. Parfait. Merci. Merci encore pour l'invitation. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter Sherbrooke et Sherbrooke Innopol et notre écosystème qui fait partie, évidemment, de la province, comme Christophe vient de le mentionner. Il s'est concentré sur la ville de Québec. Alors, moi, ça va être sur la ville de Sherbrooke, qui est vraiment une ville très dynamique et très entrepreneuriale. Alors, dans un premier temps, bien vous parler si on regarde à gauche. Alors, Sherbrooke est la deuxième entreprise, la deuxième communauté au Canada comme la plus entrepreneuriale. On est situé proche des lignes américaines vers Boston et on est tout proche aussi de Montréal et de Québec. Et puis, récemment, on a été nommé une des 20
agence de développement économique pour justement accueillir des entreprises en démarrage, surtout au niveau de l'innovation. Parce que Sherbrooke Innopol se concentre sur 5 grands secteurs au niveau innovation, les sciences de la vie, les micro-nanotechnologies, les sciences propres. Ensuite, il y a aussi les technologies d'information et le manufacturier innovant. Ce qui est particulier avec Sherbrooke Innopol, on est le bras économique de la ville de Sherbrooke. Et on a en même temps créé des fonds de capitaux de risque, c'est mon deuxième point ici souligné, où au niveau de du pré-amorçage, de l'amorçage et de la pré-commercialisation, nous sommes en mesure d'investir dans des entreprises justement pour les aider à amorcer et à démarrer à Sherbrooke pour après être en mesure d'aller chercher un financement plus substantiel avec les capitaux de risque, par exemple. Nous avons été à la base des initiatives et d'infrastructures très importantes, dont un accélérateur qui s'appelle ACEP, qui permet d'incuber et d'accélérer le développement d'entreprises. Espark Inc. aussi en termes d'incubateur. Je vais vous parler un petit peu plus tard de Espance Lab, qui est un édifice que nous avons construit nous autres-mêmes pour accueillir des entreprises en démarrage ou issues d'un milieu universitaire de 20 laboratoires et de 18 bureaux. On a aussi créé un espace de coworking pour accueillir des entreprises qui sont reliées au niveau de la technologie d'information, donc aussi en santé. Et on a créé un petit programme pour aider les entreprises qui sont des fois pas toujours prêtes encore à rentrer dans un incubateur comme ACET ou Espace Inc. Et on peut les aider à se préparer à être adéquatement prêts pour une prochaine étape. Ce qu'on offre comme services qui sont vraiment tangibles et pragmatiques, c'est qu'on peut offrir des périodes de location de lieux pendant 6 mois gratuitement pour vous accueillir. On peut vous aider à trouver des fonds de capitaux de risque. On en a, mais on peut trouver des partenaires pour vous et vous aider à avoir des spécialistes pour les crédits d'impôt à la recherche qui sont généreux au niveau du Québec et au niveau du Canada. On peut vous aider aussi en termes de pour la croissance, de faire un processus stratégique au niveau de la propriété intellectuelle ou encore du plan d'affaires. Et on peut faire de payer des études de stratégiques pour vous positionner dans votre positionnement de produit. Et on supporte aussi toute démarche au niveau des ressources humaines, la main-d'œuvre. Autant pour les intégrer, on a des partenariats particuliers pour aider les employés à venir s'installer à Sherbrooke, que je pourrais mentionner un petit peu plus tard, plus en détail. Un des programmes particuliers qu'on a de soft landing qui vous permet de vérifier si le moment opportun de venir vous installer au Canada et de choisir Sherbrooke, on a un processus en 5 étapes très simple qui permet justement, avec quelques étapes, de mieux vous aider à vous positionner votre entreprise, de voir au niveau du marché, des tendances. Et ça permet justement de vous aider à ce que votre implantation, que ce soit au niveau d'une entreprise en démarrage, d'une compagnie qui vient ouvrir une filiale, c'est le moment opportun et que tous les outils, autant financiers qu'opérationnels, sont présents pour vous aider à avoir un succès. Juste pour vous donner une idée au niveau des sciences de la vie, on a évidemment, on travaille, si on regarde ici à droite, dans plusieurs secteurs importants des sciences de la vie, en oncologie, en cardiologie, en neurologie, les maladies infectieuses, au niveau du vieillissement, toute la thérapie cellulaire, au niveau de l'imagerie, et aussi on inclut tout le côté intelligence artificielle, digital. Et aussi, une chose particulière à ajouter, c'est qu'on a l'Institut quantique où on travaille aussi au niveau du quantique, au niveau des matériaux, de l'information et aussi de l'ingénierie quantique. C'est vraiment un démarqueur particulier à la ville de Sherbrooke.
Ici, en résumé, vous voyez en bas qu'au niveau des institutions, des instituts, des chaires de recherche ou des centres de recherche, qu'on a un écosystème significatif et très dynamique. Et physiquement, toutes ces entités-là sont sur un même lieu ou proches l'un de l'autre, qui favorisent les collaborations et qui permet des entreprises qui viennent s'installer d'être justement proches de toutes les entités avec lesquelles ils peuvent travailler directement avec l'hôpital, avec le centre hospitalier de recherche. Ici, on a un pavillon sur le cancer, l'Institut de pharmacologie, la Faculté de médecine et de la science, et que je vais vous parler plus tard de notre espace lab, notre espace où les gens peuvent louer des espaces de laboratoire et des bureaux. Ici, on voit sur la photo la compagnie Charles River, et comme vous pouvez voir, il y a encore de la place pour accueillir des entreprises. Je vais passer présentement un autre, particulièrement pour les technologies médicales. C'est près de la faculté de l'Université de Sherbrooke. Nous avons le 3IT, c'est le terme court pour notre institut d'innovation en technologie qui est avec plusieurs disciplines. Ça permet de faire du design, du prototypage et d'aider aux technologies à maturer dans les différents secteurs, dont les technologies médicales. Donc, c'est vraiment un institut incroyable que nous avons à Sherbrooke. Et nous avons des partenaires qui peuvent vous aider dans la croissance de votre entreprise. Un point que je voulais souligner avec préférence Estrie, c'est un service que d'ailleurs Sherbrooke Innopole paie en partie ou complètement à trouver soit un emploi pour l'époux de l'employé qui vient à Sherbrooke ou encore aider à trouver justement des maisons, un logement, les écoles pour les enfants et aider aussi à trouver de l'intégration à la communauté, soit au niveau d'activités comme sportives ou culturelles. Alors, ça permet en général, pour soit de le faire au niveau d'un individu, d'un couple ou d'une famille, qui peut représenter plusieurs milliers de dollars, que ça nous fait plaisir de payer pour ce service-là, pour aider nos entreprises à accueillir des employés, mais aussi à les conserver à Sherbrooke. J'ai mis ici juste quelques exemples d'entreprises que nous avons en technologie médicale. Autant ça va en neurologie qu'au niveau de matériaux, biomatériaux. C'est au niveau du support, au niveau du support, au niveau de la santé. Donc, c'est des technologies depuis plusieurs années ou encore récentes qui permettent justement d'adresser les différents domaines dans le domaine médical. Espace Lab, c'est le petit point que je voulais vous souligner. C'est un édifice que nous avons nous-mêmes, Sherbrooke Innopole, bâti pour offrir justement des espaces de location. Ce que ça a permis, c'est 5 entreprises présentement sont dans cet espace-là. Plus de 80 personnes sont dans cet édifice-là. Ce qui a permis justement de permettre aux entreprises ou aux technologies développées à l'Université de Sherbrooke de continuer à être à Sherbrooke et d'être dans des installations de haut niveau pour justement poursuivre la croissance de leurs idées en produits, en entreprise. On prépare un deuxième centre, juste vous le dire, un deuxième beaucoup plus grand. On travaille dessus pour avoir, entre autres, des entreprises privées. On serait intéressé à avoir une entreprise de biofabrication. Et aussi d'autres espèces reliées autant aux technologies pour aider au niveau de la production de petits lots lorsque les entreprises ont besoin de faire des phases précliniques et cliniques. Donc, on veut se spécialiser surtout dans la production de petits lots. Et pour terminer, ben pourquoi Sherbrooke? Ici, c'est un résumé de ce qu'on peut offrir au niveau des talents, de la main-d'œuvre aujourd'hui et pour plus tard avec de la formation dans tous les domaines. Ce qui est particulier, c'est le deuxième point ici à gauche où le système universitaire, particulièrement l'Université de Sherbrooke, permet des stages en entreprise
Ce qui fait que dans une formation de baccalauréat ou de maîtrise, ça peut représenter déjà de 12 à 20 mois d'expérience de travail chez les étudiants au niveau universitaire. Alors, on est 30 % de nos PhD en médecine et en sciences de la santé trouvent un emploi à Sherbrooke, donc une rétention importante de nos employés dans la région. Beaucoup de choses qui existent à Sherbrooke. Je vous ai parlé de l'Institut quantique ici, qui est important, le 3IT aussi. On a beaucoup d'autres expertises à partager et un environnement super agréable pour rester. Alors, je vous remercie de votre temps. Ça me ferait plaisir de vous en parler plus, de venir vivre à Sherbrooke. Merci beaucoup. Tu as fait une invitation très chaleureuse, Martine, avec toutes les informations que tu as partagées. C'est sûr que c'est vraiment un écosystème que vous avez créé à Sherbrooke afin d'attirer les investisseurs et la création de nouvelles technologies. Moi, j'ai une petite question à te poser concernant les capital risques. Comment vous faites dans l'Amérique latine, on trouve des difficultés pour avoir des capital risques spécialisés sur la biotechnologie, sur la santé, et ça pose des problèmes pour beaucoup de projets qui doivent stopper complètement, arrêter ces travaux. Là, je vois que vous avez une connexion forte avec ces organismes très importants. Est-ce que tu peux nous partager plus? Oui, évidemment, on a de l'expertise, mais ce qu'il y a de particulier, c'est que nous autres même, on est aussi une firme de capital de risque. Donc, on investit nous-mêmes. Alors, c'est unique au Canada. De faire qu'une entité, qu'une ville, on est l'organisme paramunicipal comme tel, mais on investit nous-mêmes. Alors, ça donne confiance aux firmes de capital de risque par la suite d'investir aussi, de poursuivre la croissance de l'entreprise. Parce que nous autres mêmes, parce qu'on croit tellement à nos technologies de Sherbrooke, bien, on a mis nous-mêmes de l'argent. Et des fois, les montants sont, je peux vous donner une ordre de grandeur, on a des fonds où on met 50 000 $ d'autres c'est 100 000 d'autres c'est 200 000 Ce n'est pas nécessairement des si gros montants, mais avec un autre partenaire et avec des subventions, et ça finit par faire qu'on fait un demi-million, un million comme ronde de financement. Et c'est ça qui permet vraiment de démarrer des entreprises. Et après, les autres fonds sont en mesure, parce qu'on a fait la preuve que justement notre approche, notre analyse et notre expertise qu'on a, ça fait 30 ans que je suis dans l'industrie, donc j'approuve ces investissements-là avec un comité, ça nous permet justement de répondre aux besoins. Fait que j'espère que j'ai bien répondu à la question, Victor. Merci, c'est très intéressant, le modèle très intéressant. Et on observe dans ta présentation qu'il y a beaucoup de différents acteurs entre les institutions, les universités, les entreprises qui sont là. Quelles sont les démarches que vous faites afin de mettre en contact tous ces acteurs qui ont des différents objectifs liés à des secteurs communs, mais avec des initiatives spécifiques? Comment vous faites pour les mettre en contact, en collaboration? Je dirais qu'il y a probablement deux aspects. Le premier, j'aime dire qu'on est assez gros pour justement avoir un écosystème important, mais on est assez petit pour tous se connaître entre nous. Donc, on a l'avantage des deux côtés. Moi, ce qu'on fait beaucoup aussi, on a beaucoup d'initiatives, je vais en parler d'une seule pour le moment, c'est qu'à tous les vendredis, j'envoie un courriel à tous mes entrepreneurs et à mon réseau de contacts sur des thèmes bien précis. Donc, une communication hebdomadaire avec tout l'écosystème. Donc, c'est la continuité et c'est aussi qu'ils sentent qu'on est présent, ils peuvent nous faire des demandes et on s'organise pour justement leur trouver la bonne personne ou les bonnes personnes pour les aider. Donc, on est assez gros et assez petit pour le faire. C'est génial. Je te remercie beaucoup, Martine, pour ta présentation. On va continuer. Ça me fait plaisir de vous la transmettre, si vous voulez, la partager, oui, avec les gens. Fait qu'après la rencontre, je vais vous l'envoyer.
Oui, c'est un service qui avait posé au Centre Renard. Si vous pouvez, si vous nous donnez l'autorisation, on peut partager un PDF, les présentations, afin d'avoir toutes ces informations spécifiques. Ce sera très intéressant pour les participants. Merci, merci. Martine. On va continuer avec toi, Julien. Lucchesi, bienvenue. Julien est responsable des partenariats corporatifs à Centech. Merci de ta présence, Julien. Et voilà, tu peux partager ta présentation. On va écouter, oui, entendre ce que vous faites. Voilà. Ah, voilà. Ben, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc, je vais présenter le Centech, qui est un incubateur deep tech et medtech de calibre international situé à Montréal. Quelques mots sur le Centech. On est une organisation qui existe depuis 1996 et qui a été initialement fondée par une école d'ingénierie appelée l'ETS, l'École de technologie supérieure. Pendant 20 ans, l'objectif du Centech était uniquement d'accompagner les étudiants de l'université en génie pour démarrer des entreprises, donc notamment dans le domaine de la robotique, autour de la mécanique, puisque c'est une école de génie, donc en ingénierie assez pure et dure. Et depuis 2016, le modèle d'affaires du Centech a complètement changé. On a un écosystème ouvert à tous. Donc, quand je dis ouvert à tous, c'est-à-dire autant des étudiants de différents cycles, bachelor, master, PhD, postdoc, provenant de toute université. C'est sûr qu'on a une masse critique du Grand Montréal présent chez nous. Et également, on a accompagné des entrepreneurs étrangers qui venaient s'installer au Québec, parce qu'une des conditions pour avoir un accompagnement sur le moyen terme, c'est d'incorporer la compagnie au Québec, pardon, et ou au Canada. Voilà. Donc ça, c'est pour, et on est un organisme à but non lucratif. Au niveau du Centech, la mission qui est écrite en haut, c'est de supporter de la conceptualisation jusqu'à la commercialisation ou la pré-commercialisation, dépendamment les domaines, des jeunes entreprises deep tech en démarrage. Je vais définir qu'est-ce qu'on appelle deep tech dans la slide prochaine. Et également, on accompagne les entreprises établies, donc des grandes entreprises, à collaborer, co-innover avec ces startups. Au niveau des piliers stratégiques, bien sûr, un hub de startups deep tech. Donc, depuis 2016, depuis le renouveau du Centech, plus de 400 projets ont été accompagnés dans notre programme pre-seed de validation ou de pré-amorçage, pardon, en français, de 12 semaines, que je vais décrire par la suite. Plus de 125 compagnies ont été incubées sur une période de temps de 2 ans. Et actuellement, on a une cinquantaine de compagnies dans le programme d'incubation et plus de 45 compagnies graduées depuis 2018, puisque c'est 2 ans, donc entre 2016 et 2018. Donc voilà, depuis 2018, plus de 45 compagnies graduées. Dans les piliers, évidemment, soutien à l'entrepreneuriat technologique, avec évidemment du mentorat, avec des experts, notamment des entrepreneurs en résidence qui apportent un côté très pragmatique. C'est des personnes qui ont eu du succès en affaires, des échecs dans différents domaines, dont les technologies médicales. Je vais pouvoir vous en parler un peu plus par la suite. Qui accompagnent et qui mentorent ces compagnies dans leur phase la plus compliquée, qui est le démarrage. Et également accès à des labs et des équipements, prototypage dans les facilités qu'on a autour de nous, notamment au niveau universitaire et d'autres aspects importants en démarrage d'entreprise, des logiciels, le cloud, etc., dépendamment de la business. Soutien au financement, bien sûr, donc financement non dilutif offert directement par le Centech, ainsi que l'accès aux différents programmes de subventions que l'on peut avoir autour de la R&D au Québec. Il y en a beaucoup, comme ça a été mentionné précédemment, et certains sont réservés à des compagnies accompagnées par des incubateurs, donc on accompagne ces jeunes entreprises à aller chercher le maximum de ces subventions. Il y en a vraiment beaucoup. Et donc, c'est très aidant au démarrage et on est capable de faire souvent des effets de levier, comme ça a été mentionné précédemment, pour aller chercher avec un investissement de 50 000 $, des fois 1x5 et plus, dépendamment les programmes et les montants mis en place. Et également, cette année, on a démarré un fonds d'investissement en capital de risque, Boreal Venture, au niveau du pré-amorçage et de l'amorçage, et que je pourrai vous présenter par la suite. Et pour terminer sur nos piliers, l'innovation ouverte. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas commun dans tous les incubateurs, mais c'est vraiment une division corporative où on va accompagner des grandes entreprises à collaborer avec l'écosystème startup du Centech et au-delà. Au niveau des secteurs distinctifs, donc celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le premier, MedTech, santé. Donc, dans cette catégorie, on va inclure tout ce qui est des compagnies qui développent des appareils médicaux, des medical devices, des solutions de digital health, souvent qui utilisent l'intelligence artificielle et les données. Quelques autres aussi. Ce qu'on ne va pas aider, c'est vraiment des compagnies qui travaillent sur la molécule en tant que telle. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas tagué science de la vie, mais bien MedTech,
qui inclut le digital health et les medical devices principalement. Donc, je vais continuer sur cet élan pour vous donner quelques exemples de compagnies qui ont été ou qui sont encore actuellement incubées, donc supportées au niveau entrepreneurial dans leur phase de démarrage. Je vous laisse lire un petit peu. Ah ben pardon, c'est en français, donc je m'excuse, je vais dire deux mots pour que ce soit traduit. Mais Puzzle Medical, qui travaille au niveau d'une pompe cardiaque. Ditch, qui traite le problème de dépendance à la nicotine. On a Anasense au niveau des biomarqueurs dans le sang pour faire des analyses. Sonoscope au niveau échographique. Eli Health, un dispositif médical pour aider les femmes au niveau de tout ce qui est hormonal. Ou bien Statera Medical, qui est dans le domaine au niveau de l'épaule. Donc, une nouvelle technologie à ce niveau-là. Ce qui est important de mentionner, j'ai raté les présentations précédentes, donc peut-être des compagnies ont été citées, c'est qu'on est au Québec, et si on parle du Grand Montréal, mais un peu plus large, on a un écosystème quand même connecté. Il y a beaucoup d'acteurs qui accompagnent ces compagnies. Notre rôle à nous, c'est vraiment de les accompagner d'un point de vue entrepreneurial, au niveau du modèle d'affaires, au niveau du risque un peu technologique, mais surtout du risque business. Y a-t-il un marché, un réel problème pour la solution que vous développez? Par la suite, beaucoup d'acteurs prennent le relais. On les accompagne conjointement, notamment pour tout ce qui est financement. On peut penser à MedTech Plus qui a présenté précédemment, TransMedTech, mais MedTech Plus, par exemple, et beaucoup de nos compagnies sont aussi membres chez eux. Donc, c'est important cet effet de réseau et que ces compagnies soient accompagnées par tous les acteurs disponibles. Quelques chiffres dont je vais juste en mentionner certains, mais ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est la capacité des entreprises qu'on accompagne d'aller chercher beaucoup de capitaux, donc autant privés en capital de risque que non dilutif, donc tout ce qui est, on va dire, des capitaux compétitifs. Donc, on peut voir que rien que l'année 2020, c'est 97 millions qui ont été cherchés collectivement par les entreprises incubées et Alumni du Santech depuis 2016. Plus de 700 emplois créés. Donc, ça crée la mission du Santech, au final, qu'est-ce que c'est? C'est de créer la richesse dans l'économie québécoise et canadienne par l'entrepreneurship, donc avec des compagnies qui vont commercialiser des technologies, on l'espère, à l'international et également créer des emplois de haute qualité au Québec. Donc, voilà. Et vous pouvez voir donc, des cofondateurs qui viennent d'une multitude d'universités, puisqu'on n'a pas de critères, on est ouvert à tous. Beaucoup de brevets qui sont évidemment développés par ces compagnies au sein du Santech. Et ce qui est important de mentionner, c'est que le Santech, en tant que structure, ne prend aucune équité dans les compagnies, aucune propriété intellectuelle. Donc, c'est vraiment entrepreneur-friendly au maximum. Et peut-être pour terminer sur cette slide, le Santech a été élu en 2019-2020 par UBI Global, donc un organisme qui fait des benchmarks d'incubateurs, dans le top 20 des incubateurs universitaires à travers le monde. Au niveau des programmes d'accompagnement, donc pour les entreprises deep tech, donc qui développent des produits basés sur la science et le génie, et MedTech, on a deux programmes, donc l'accélération et propulsion. Ce qui est important de mentionner, c'est que spécifiquement pour les compagnies qui développent des technologies médicales ou qui sont dans le domaine de la santé, on a démarré en automne 2018 un parcours qui est un petit peu, il y a un tronc commun, mais qui est aussi parallèle, parce que la réalité de ces entrepreneurs et pour bâtir ces entreprises et commercialiser ces technologies dans le domaine médical est très différente d'une entreprise dans des domaines classiques ou industriels. Donc, on a dû vraiment bâtir un stream à côté, mais qui est complémentaire, évidemment. Donc, c'est surtout un ajout d'ateliers et de formations spécifiques au domaine de la santé pour ces entreprises. Donc, à travers le programme Accélération, qui est notre programme de validation de 12 semaines, on va aider les compagnies à valider beaucoup d'hypothèses sur le besoin marché, le produit à mettre en marché, comment aller chercher leur clientèle cible, etc., etc. Donc, beaucoup une phase de validation. Les compagnies qui ont le plus fort potentiel de démarrer et de commercialiser les technologies sont par la suite incubées dans le programme de 2 ans que j'ai décrit un petit peu précédemment. Et ce qui est important de mentionner, c'est qu'au niveau des projets dans le domaine de la santé, maintenant, plus d'un tiers des projets qu'on accompagne au Santech sont dans le domaine de la santé. On accompagne dans le programme Accélération, on fait 3 cohortes par année, donc d'environ 30 compagnies, comme c'est écrit, donc à peu près 85 à 90 projets. Plus d'un tiers, voire 40 à 45% en ce moment, sont vraiment dans les technologies de la santé. Donc, ça devient vraiment une de nos forces majeures à ce niveau-là dans le démarrage d'entreprise. Et pour terminer, le Collision Lab, qui est un hub d'innovation ouverte, donc que je mentionnais précédemment. Ça, c'est assez nouveau. Ça fait maintenant 3 ans qu'on l'opère.
Et comme vous pouvez le voir, on a des grandes entreprises de différents domaines, alignées avec nos domaines et nos secteurs distinctifs, évidemment, qui sont présents dans notre écosystème. Et notre rôle, c'est de faciliter des interactions et pour les entreprises en démarrage, des projets potentiels avec ces joueurs. Dans le domaine de la santé, on a accueilli depuis le mois de décembre 2020, le groupe Servier, qui est un groupe pharmaceutique, et on a également l'entreprise CAE, qui a une équipe du côté de la division médicale, donc qui sont dans la simulation et la formation, qui sont chez nous et qui sont en interaction avec des entreprises de notre écosystème autour du santé. Je vous mentionnais le volet technologie médicale qu'on qualifie de MedTech chez nous, mais qui englobe donc les compagnies en medical devices, digital health à différents niveaux, au niveau de la cardio, de l'oncologie, un petit peu tous les créneaux finalement qu'on a vu dans les slides précédents, les présentations précédentes. On a dû bâtir vraiment une équipe d'experts qui accompagne spécifiquement ces entreprises pour toute la complexité et les enjeux de la commercialisation que tout le monde connaît. Donc on a une équipe actuellement de 4 entrepreneurs en résidence qui sont sur la droite. Vous pouvez voir peut-être, c'est écrit petit, mais c'est des profils donc, de personnes qui ont démarré, vendu des entreprises ou qui ont une expertise dans le milieu industriel très pertinente pour accompagner les compagnies. Et le format, c'est vraiment des coachings, du mentorat en one-on-one avec un entrepreneur en résidence associé, dédié, tout au long des programmes d'accompagnement du Santech. Voilà. Et l'idée, bien sûr, c'est de les aider à éviter les erreurs classiques et à faire un roadmap pour une stratégie d'aller sur le marché régulatoire la plus optimisée possible et bien sûr valider les différentes étapes dans ce challenge important qui est la commercialisation de technologies médicales. Pour terminer, deux choses. Première chose, voici un mapping de notre écosystème, d'un de nos buildings. On a deux bureaux à Montréal qui sont collés. Ce building que vous voyez là, c'est l'espace où on accompagne les entreprises dans le programme de 12 semaines, qui est donc le programme de validation. Donc, c'est accélération en rouge. On a la chance d'avoir aussi une école de design implantée dans le Santech, l'école de design de Nantes, une école française qui envoie 35 étudiants par année faire des stages et des cours à Montréal, et des stages sont effectués dans les entreprises en démarrage du Santech. Donc, on est fiers d'être un des rares incubateurs, avoir une école de design inclue dans notre bâtiment puis dans notre offre de service. Et sur la gauche, vous pouvez voir les différentes compagnies qui ont installé des hubs, des petits hubs d'innovation, finalement, pour être connectés avec l'écosystème startup. Et vous voyez quelques noms ici, dont Servier, CAE, que je citais précédemment. Et pour terminer sur le Santech, l'ABC du Santech, disons, on a démarré cette année un fonds d'investissement qui est associé au Santech. Évidemment, en tant qu'organisation à but non lucratif, le fonds est une structure indépendante, affiliée, associée avec certaines ententes particulières, mais qui gère et qui prend des décisions indépendantes de nos décisions pour des investissements. Donc, c'est un fonds pour le moment de 26 millions de dollars canadiens qui vise à faire un second closing pour atteindre 35. C'est la première mouture du fonds. Et comme vous pouvez voir, un des secteurs visés pour les investissements, c'est ce qu'on appelle chez nous donc le MedTech, qui inclut un petit peu tout ce que je mentionnais précédemment. Les investissements sont à deux niveaux, au niveau pré-amorçage et amorçage. Donc, pré-amorçage, on parle de montants de 50 à 100 000 dollars canadiens. Amorçage, c'est une participation dans des rentes plus importantes, souvent de l'ordre de 1 à 1,5 million, et le fonds est capable de suivre avec des montants de 300 à 500 000 dollars. Donc, c'est nouveau, ça a été mis en place en 2021, à la fin du COVID, et les premiers investissements ont démarré et ils sont notamment dans le domaine des technologies médicales. Le fonds c'est pas volontaire, mais les premiers investissements sont très axés technologies médicales en l'occurrence. Voilà. Donc c'est tout pour la présentation. Je pourrais répondre à quelques questions s'il y en a. Oui, il y en a effectivement. D'ailleurs, on nous demande si vous avez des programmes spécifiques d'incubation avant l'accélération des entreprises deep tech. Est-ce que tu pourrais répéter la question, Victor, juste pour être sûr que je l'ai bien compris, s'il te plaît? Oui, si vous avez des programmes avant les séances d'accélération, des incubators programs, qui puissent aider les compagnies dans les toutes premières pas dans ce projet de développement. Donc, en amont de ce qu'on fait actuellement, c'est ça? Mm-hmm. Oui, alors, le programme Accélération, qui est actuellement la porte d'entrée, c'est vrai qu'il s'adresse à, c'est si on a la phase d'idéation, on va dire, on est vraiment aux prémices du projet.
c'est sûr qu'on s'adresse à des compagnies qui ont déjà fait quelques étapes d'accompagnement, souvent dans leur milieu universitaire, si c'est par exemple des spin-off de recherche, etc. Puis lorsqu'ils ont validé quelques étapes, ils sont prêts à aller vers la commercialisation et avec une équipe dédiée, c'est à ce moment-là qu'on va prendre le relais. Par contre, ce qu'on a commencé à faire, et c'est nouveau, on commence cet automne, alors c'est une bonne question en fait, mais c'est qu'on a remarqué, surtout pour des cofondateurs qui ont un profil très scientifique, donc justement qui vont travailler au sein des universités sur des projets à forte composante technologique dans le domaine de la santé ou autre, qui ont besoin déjà d'avoir de l'accompagnement, de mieux comprendre le côté entrepreneurial, entrepreneurship. On démarre des bootcamps avec certains partenaires, donc pour donner le ABC, si je peux dire, de l'entrepreneuriat, pour émuler aussi les profils un peu plus scientifiques, chercheurs à l'entrepreneurship. Donc on le met en place, on fait un pilote cet automne, on va le faire un peu plus à grande échelle l'année prochaine en 2022. Et ce qui est important de mentionner, c'est que l'objectif de ça, pour ceux qui vont être prêts après ça à rentrer dans l'accélération, ben c'est parfait. Pour ceux qui ne seront pas prêts encore, il y a quelques étapes de validation. Ben on les invitera justement à aller dans les différents programmes qui sont disponibles dans leur écosystème universitaire, notamment pour aller faire des premières étapes, travailler un petit peu sur le projet. Et par la suite, ça nous fera plaisir de collaborer avec eux pour les amener plus loin par la suite. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Je dois remercier tous les groupes. Le temps ça a passé vite et vous allez encore avoir les deux deuxièmes sections. Justine, Marie-Pierre, Christophe, Martine et Julien, on est très contents. Ça montre vraiment de la valeur de la collaboration dans ces écosystèmes et ça donne aussi des informations clés pour des acteurs qui ont pris déjà vos informations, vos coordonnées aussi. On va partager aussi les présentations que vous nous donnez l'autorisation aussi à les faire, afin de continuer et de mettre en contact ces deux écosystèmes, le Québec et l'Amérique latine. Je vous remercie beaucoup de votre présentation, de votre présence. Gracias. On m'informe qu'on a des petits problèmes concernant les services d'interprétation, des problèmes d'accès à Internet. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la dernière section en anglais, comme ça, je crois qu'on aura tout le monde la possibilité d'avoir accès à cette information. On remercie beaucoup Luz Maria, l'interprète, pour tous les supports que vous nous avez donné. Luis, tu peux apagar le service d'interprétation? We are going to continue with our last section. It's very important to understand how this experience can be useful for different startups from LATAM. And we have Ramses Galaz that has a lot of experience working in R&D and launching also companies in Montreal. Adriana Vallejo is going to be the host for this session. So please, Adriana, we are going to start with this last session. Thank you very much. Thank you, Ramses. Thank you, Victor. Thank you, everyone that has been here before. And really, it's really interesting to know every one of these organizations that are working with entrepreneurs all around Quebec. And now for me, I'm happy to present to Ramses Galaz. Hello, Ramses, how are you? Hi, very well. Very well. Thank you, Adriana. Thank you very much, and thank you for being here with us. Right now we are going to present what Ramses Galaz and GCE Biomedical has been doing for the past 7-8 years, not just in Mexico, but in the US and in Canada. And he has a lot of experience and Ramses, can you tell us a little bit of the experience that GSE Biomedical has in Quebec? Can you tell us the experience? Sure. I was actually prepared with a PowerPoint presentation for this, so I'm gonna switch to the PowerPoint to talk a little bit about our experience. Basically, we have a 10-year relationship with Quebec in terms of development of medical devices. So I'm gonna share my PowerPoint. Just a second. And I guess you should be seeing my screen. So
Yeah. This is a little bit about the ecosystem in which we have evolved some of the technologies and of medical devices that we have developed. So mostly we collaborate a lot with McGill University in several projects, mostly in the cardiology and cancer detection areas. So I'm going to talk a little bit about six of the projects within this time frame. One of the projects that we have been working for the last 2 years is specifically with McGill University and National Research Council of Canada, specifically at the Institute of Industrial Materials in Boucherville, Quebec, is the development of a novel technology for amalgamates that dissolve to manufacture coronary stents, well, peripheral stents as well. So this technology was developed as part of a PhD thesis at McGill University. And the aim of this project is to develop a coronary stent that dissolve over time, because that has a lot of clinical advantages. So we formed a company called NanoStent in Montreal and Quebec City. And so we're in the process of developing this. We are at TRL level 4 at this point. So we're about to start some early animal testing with the first ever prototypes produced for pig implantation. So this is an ongoing project. This is a class 3 device, and it's going to take certainly a while to develop it. You can see a little bit of the early prototypes that we have been developing, and these are going to be implanted in pig animal studies in Montreal. One thing I must say, though, is that the ecosystem, the health ecosystem in Quebec is an excellent ecosystem in terms of the development, because there's a lot of collaboration between universities and research centers. There's a lot of students, there's a lot of people, very knowledgeable people, a lot of laboratories that can help in order to develop these types of applications. Another project that we have been developing over the last of past 2 years or so is a hemostasis bracelet to reduce the risk of radial artery occlusion under the same company, NanoStent. So this is a procedure that is applied to about 13 million people every year worldwide. And whenever they put a stent in your heart and they go through the radial artery in your arm, they have to occlude the wound using a regular bracelet. The problem is that some of these bracelets that are on the market, they cause a condition called radial artery occlusion because they have excessive pressure on one of the arteries, specifically the radial artery. So we were recently supported by MedTech this year, actually. We're about to start a clinical trial with a new bracelet that we are developing in order to reduce the risk of developing radial artery occlusion using a special double pressure bracelet that regulates the pressure between the cubital artery and the radial artery at the same time. Therefore, you don't collapse it permanently. So this is still in development, but we're about to start an early clinical trial in these institutions. So right now we have developed the first projects and the first clinical trials at the Université de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, which belongs to Université Laval, and also we're about to start the same trial at the Institut de Cardiologie de Montréal. In collaboration with NanoStent, which is our Canadian company, and GSE Biomedical, which is our Mexican company. So we are moving as we speak on this particular project. So this is some of the early clinical results of this bracelet, and we can clearly see that we increase the flow of blood in the radial artery. So it's actually, that's the type of clinical advantage that we're looking for in order to prevent radial artery occlusion. Some other projects that we have been developing under the same company, NanoStents, are interventional cardiology devices, specifically catheters that have certain features that will allow cardiologists to be able to insert a coronary stent in very severe lesions. So we're still working with this, and we're also working with another company and also McGill University to develop a specific application in order to determine the fractional flow reserve of blood flow in the coronary arteries in order to assess the vulnerability of a lesion, of a coronary lesion, turning into a high-risk lesion. So this is also an ongoing project. So as I said before, a lot of the projects that we have been developing in the Quebec region, we have a lot of support from the universities, the research centers, grants, and all the necessary elements are in the Quebec region. And not everything is cardiology. We're also working with McGill University Health Center
because we recently obtained a $6 million grant from Genome Quebec to develop a device that will be able to sample endometrial material to have early detection of ovarian endometrial cancer. So this is part of the Department of Gynecology of McGill University Health Center. And this is an ongoing project as well. So, you know, the project scope is within the next 2 to 3 years to be completed. So at this point, we're about to start an early clinical trial with 3,000 women in Montreal. So we are part of the group that is developing the device that is going to collect the samples for DNA analysis. And this particular test has a 99% success rate to analyze ovarian and endometrial cancer. So, and lastly, another thing that we have as a company is that we also belong to a group of companies. You know, there's a grant from NSERC that is, you know, assigned a design chair for McGill University, and they are coordinating the NSERC chair engineering design for interdisciplinary innovation of medical technologies at McGill University. So it's a very small group of companies. It's about 7 or 8 companies. But the aim of this chair is to actually collaborate with companies, with other health tech companies in order to develop medical devices, but using the help of students. So this is more like an academic project that is supported by NSERC. So we are also part of that group of companies. So at this point, we are looking forward to develop even more projects. But within this 10-minute timeframe, that's as much as I can say about our experience, which has been excellent, by the way, in the Quebec health ecosystem. Thank you. Thank you, Ramses. Actually, this is an amazing resume of how you have been doing for the past years. I mean, 6 projects in less than 10 years is amazing, actually. Could you tell us, please, a little bit of this experience? I mean, how this it started like several years ago? You told me before that you study in Quebec. Yes, I am a graduate of McGill University. I did my master's of engineering and my PhD in biomedical engineering at McGill. So I graduated back in 2009. So I can say that I have a 20-year relationship with Quebec, specifically Montreal. But we also have activity in Quebec City. That's great. For example, for the first break that you started back in that time, how does it started so that our guest today can get to know? I mean, what will be the first steps to start in Quebec? Who should we call or should we connect with? Well, that's a difficult question to answer at this point, because some of these things happen just suddenly, and most of those things happen to me because of my strong relationship with Quebec and McGill University. But if anyone wants to start a company in Quebec, it's rather easy. I mean, like, we set up a company which is called NanoStent in Quebec City. So we partnered with some cardiologists in Quebec City, and the company is rather new. I mean, it's actually less than 4 years old, and right now we have gained a lot of traction in the development of several cardiovascular applications in terms of medical devices. So. It's just a matter of, creating a company and trying to reach as many people as possible and go to institutions, go to research centers. So for me, it was a little bit easier because of my relationship with the Montreal system. And we're also working with the Institut de Cardiologie de Montréal. I did my PhD there. It belongs to Université de Montréal. But nevertheless, I have very good friends there. And I'm very happy to be working with Quebec, even though I live in Mexico. But I miss traveling to Quebec, so I hope in the future that I will be traveling a little bit more there. And we miss traveling to Mexico. Yes. Yeah. Yes. Very much. Hopefully, when the borders are open and we can start doing more and more trips for research and also for networking and business. That's great. Ramses, thanks for your experience. This is really important, refreshing, so that everyone can get to know how can they start and what are the first steps to get to Quebec.
And we have some questions here in the chat. I will read. I understood that they gave you some grants. How did you find those grants, and how can you apply to them? What are the requirements? Well, as I mentioned, we are about to be supported. We are about to begin that grant with MedTech. This happened this year, so we have partners in Quebec City. I specifically work with Dr. Olivia Bertrand at IUCPQ, at the Institut Universitaire de Cardiologie et d'Hémologie de Quebec. So they were in charge of developing, you know, and writing up grants and everything. So we're just the engineering counterpart that is supporting the development of the device. But they are my business partners. So we prepare the grant application for MedTech, and we recently obtained it. And that MedTech support is going to help us develop a 500 patient clinical trial at IUCPQ and at the Institut de Cardiologie de Montréal. Thank you, Ramses. From Luke, actually, there's a question. I don't know if you want to tell this question, Luke. Yes, I was wondering if now you can actually set up collaborations with academic researchers in both the province of Quebec and in Mexico, and then have it on both sides, the ability to collaborate with the researchers. Yeah. I think that will be really important so that, I mean, as you may know, the development of any medical device or technology, it takes a lot of years. So if you can do it with the help of academics in both countries, it could help you reduce time processes because they are so important and mainly right now that we are in the pandemic, right? You cannot go as easy to Canada or here to Mexico. They can come that easy. I mean, they are going to start doing some travels in the next months, but right now it's not like so open to do it. So you can start with that, with this, and the collaboration will help you with the process. I do believe that. I don't know, Ramses, what do you think? Well, as I said, this is just a small part of what we have been doing. I forgot to mention that a lot of the collaboration that we have had in the past, because we are very involved in the cardiovascular area, is that not only have we work with researchers in Quebec, but also in Mexico City at the Instituto Nacional de Cardiología to do some of the early testing of the coronary stents. And actually, some of the projects that I just described are also going to be in collaboration with the Instituto Nacional de Cardiología in Mexico City and some local hospitals, because we're going to be doing a multicentric study on both the bracelet device, and once we have ready the first ever resorbable coronary stents, we also want to do the collaboration with Latin American institutions, starting specifically with the Instituto Nacional de Cardiología. Thank you very much, Ramses. Thank you also, Luke, for your intervention. Victor, yes. Well, now we can go to the next part of the event. Thank you very much. Justine has shared with us this link that it will be very useful for the startups. It's a link for grant modalities. I appreciate, Justine, all this information is very important to connect with Quebec ecosystem. We take a long time for this session, and we appreciate your time and your patience. But it was a lot of information, a good information to understand how it works, this ecosystem, and what are the strategy that every organization developed to push forward this sector, how they build this their own ecosystem, and how this different organization works. It was a very interesting information, and I'm sure that all the startups, all the people that came from different countries for different organizations are very glad to hear about it.
Two last messages that we are going to share before say goodbye. Let me just share my screen again. And Adriana, if you can talk with us about the program you have for this yeah, month. Yeah, actually, in less than half an hour, we're going to have this our monthly meetup, Basic Finances for Entrepreneurs. As you may know, for everyone that is starting in the entrepreneur ecosystem, finances are so important, and we are going to have two experts in this field. So we invite you to follow us in our Facebook and YouTube channel so that you can get to know more information. Okay, if you can put the link in the chat, yeah, it will be great. Damian, do you want to close also with some specific information concerning the government of Quebec? I just wanted to say thank you to you, to Pragmatech, and to everyone who speak today. It was really good, appreciated to have this event together. Oh, we appreciate all the people that are with us, Hakimiel, Quebec government, and Delegue General de Quebec au Mexique. It was a very, very interesting event. And our last message is an invitation. Next month, we will have another meet and greet, this time focused in a specific topic, the journey from technological development to commercialization of medical device. We are going to talk with five different startups from LATAM that reach this specific goal to arrive to commercialize the technology once they finish the development of the technology, the experience, the different difficulties that they have gone in during this journey. So we invite you to be next month. You have the link in the chat to have this invitation. And gracias, big thank you for everyone. It was a very useful information. We are going to send you in email tomorrow all the information regarding contacts of the panelists, of the organization that has presented today, and also the presentations for different organizations that that was showed today. Thank you very much. Good afternoon. Gracias. Muy buena tarde a todos. Au revoir. Thank you. Gracias. Merci, au revoir. Gracias. We'll be right back.